Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pris en flagrant délit. Alors, nous sommes en direct avec les couloirs du paranormal. Je vais faire le tambour, mais je peux pas. Voilà, donc hop là, coucou. Bonsoir. Salut. Alors, notre petite yo-yo modo va arriver bientôt, le temps de faire les partages sur les groupes. Oui, je suis déjà mentoré. Oui. Même pas mal de monde. Coucou tout le monde, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien? Alors, on va attendre quelques petites secondes avant d'avoir du monde. Parfait. Voilà. Donc, on va dire bonsoir à tout le monde. Coucou. Bonsoir, Charlie. Salut. Coucou, Nelly, Nelly. Coucou, Françoise. Merci pour les partages, tout le monde. En tout cas, c'est sympathique. Voilà. Attends, je vais essayer aussi de venir moi sur un directement sur un. Hop là, au moins comme ça j'ai tout en direct. Ouais. Alors normalement tu as les commentaires qui s'affichent sur le côté. Ouais, j'ai vu. T'as Olivier. Vu voilà. Donc là, on est en direct sur Facebook et en direct sur YouTube. Donc, ouais, mais là, moi, je me suis connecté à YouTube. Voilà. On n'aura pas forcément grand monde sur YouTube, mais on a un petit peu de monde. Alors, Olivier Rimbaud est un ancien coéquipier d'une autre équipe. Voilà, c'est un sacré bonhomme aussi. Ghost Paradis Investigation, salut. Alors, je ne sais pas si c'est Jordan ou c'est son collègue, mais je pense que ça doit être Jordan. Qui sont venus aussi sur les lives donc des modos, voilà, avec l'accent du sud. Oui, il va nous expliquer tout ça, il va nous dire d'où il vient, et voilà. Ok. Comme ça, tout le monde est là. On va rajouter YouYo avec nous, voilà. Je vais essayer aussi de passer directement sur la page, au moins comme ça, je verrai tout. Ouais, ça serait bien. Oui, ok. Coucou Jordan. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous venez nous voir. Donc, de temps en temps, il y a des enquêteurs même qui peuvent monter sur le direct, puis venir poser des questions ou débattre sur le sujet du paranormal, bien sûr. Voilà, il y a tout plein de monde vont venir. Bonsoir, ma petite Françoise. Merci, merci d'être là. Merci. 14 personnes sur Facebook. Donc, voilà, les gens arrivent. Ouais, j'ai une vingtaine à peu près. Mmh. Voilà. Coucou Letty. Ah, c'est Letty qui commente directement. Ouais, voilà. Alors, je vais ouais, ça va. Il y a ma petite blonde. Moi, bon, il y a une partie de l'équipe qui est là à soutenir à fond la caisse. Donc, si elle veut venir, tu peux lui partager le lien que je t'ai donné. Tu m'as envoyé. Voilà, ouais, tu peux lui donner. Je vais essayer aussi de le lui envoyer. Donc, comme ça, elle nous expliquera aussi comment elle est arrivée là et que vous êtes un très beau trio. Ouais, c'est compliqué quand même, on est un peu tous compliqués. Ouais, non, mais chez nous aussi, tu vois, regarde, il y a la Belgique, il y a là où on est, et en plus, on a la Bourgogne. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident toujours. Hop. Bon, allez, je reviens directement sur le truc, je te l'envoie en direct. Hop là. Voilà, donc tu as vu, c'est assez simple. On clique sur le lien, on ouvre. On met ses petits trucs. Si elle veut se montrer, elle se montre. Voilà. Coucou Sonia. Coucou Marie-Rose. Merci d'être là. Coucou ma petite Catherine.
Merci d'être là, en tout cas, tout le monde. C'est gentil comme tout, ma petite Valou, qui est aussi une enquêtrice chez Raziel Investigation. Voilà, elle fait partie de cette équipe-là. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est des personnes en tout non, cas. Non, je ne connais pas après. Hein. Après, ouais, malheureusement, on ne peut pas connaître tout le monde. Hein. C'est des belles personnes et tu peux même en parler même avec notre David National, n'est-ce pas? Qui a le même accent que toi. Voilà. Oui, je dirais que celui à David est quand même plus appuyé quand même. Alors, tu vois, David, il est dans le sud. Mais si on va par le rugby, on serait pas amis. Malheureusement, ouais, c'est, ouais. Je suis pas. On peut pas t'amener dans tous les parce sujets. Que, non plus. Je t'explique un truc. Le rugby, Béziers, tout ce qui est Narbonne, tout ça, là, ils se supportent pas. Donc, on va. Voilà. Donc, ils sont pas copains, mais au dehors du rugby, c'est voilà, ça qui est intelligent. Ça n'empêche pas qu'en dehors, on est amis. Voilà. C'est pour te dire la mentalité de fou qu'on a tous. Coucou Annick, merci. Alors, Annick fait partie donc de l'équipe à Christophe. Donc, c'est la. J'arrête. Je crois que c'est type 5962, il me semble. Oui. C'est ça? Ouais. Comment j'ai réussi, quoi? Du premier coup. Il faut avoir de la mémoire. On a aussi. Ah ouais, trop cool, ma Françoise! Cool! En plus, elle regarde un grand écran en plus. Hein. Ah, t'as vu un peu ça? Et tu nous vois en pleine face, quoi. Coucou, ma petite Sève! Coucou, Sève! Donc, Françoise est fan aussi du para, elle suit des enquêteurs. Et c'est une personne que nous, on a rencontrée avec d'autres enquêteurs. Puis après, on est. Oui, c'est ça, exactement ça. Et on est allé faire donc une petite investigation chez elle, donc voilà. Donc ça me fait plaisir. Moi, j'aime tout le monde, hein, voilà. J'ai même des clientes de mon travail qui me suivent aussi, donc c'est ça qui est extraordinaire, quoi. C'est ça qui est bon. Voilà. Donc là, maintenant, ça va être la place donc aux filles. Donc là, oui, juste une petite information. Je n'en parlerai pas non plus toutes les 5 secondes. Je me fais opérer de mon genou le 3 janvier. Donc, pour moi, les enquêtes pour l'instant à me déplacer, c'est chaud patate. On a encore quelques petites surprises avant le mois de janvier. Mais pendant quelques mois, ça va être chaud pour moi. Donc, on continuera à faire ce qu'on fait actuellement. Et puis, on continuera à partager d'autres enquêteurs avec grand plaisir. Voilà. Donc, on a toujours les mugs qui font partie donc, de la boutique. Vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à laisser des messages sur Messenger. C'est moi qui reçois les messages. Si vous avez envie d'avoir le mug, n'hésitez pas à le faire, ça nous permettra d'aller justement sur un lieu qui est dans pas trop longtemps, de pouvoir vous apporter des nouvelles une nouvelle direction, des choses nouvelles. Donc n'hésitez pas, ça nous permet aussi, nous aussi, de pouvoir faire vivre un peu l'association. Voilà. Ça va vous permettre de faire vos analyses et vos montages. Oui, parce que j'ai quand même 4 ans. Donc là, il y en a une que j'étais obligée de recommencer. Je suis presque à la fin. Donc, je suis presque à la fin. Je n'en dirai point plus, même sous la torture. Ah, ça veut dire qu'il y a des trucs bien. Dedans. Ça veut dire que ça, il faut pas qu'on loupe, c'est ça? Ouais, nous c'est petit. Hein. Nous aussi c'est petit. Grands, hein, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Se déplacer avec la déambulateur, je l'ai déjà acheté. Vous n'avez pas vu, hein? J'avais mis la photo de mon nouveau véhicule. On t'en offrira un avec thermique, au moins comme ça tu pourras rouler plus vite. Hein.
Coucou! Alors, je ne sais pas si c'est Toff ou une autre personne. Bonsoir, en tout cas, merci d'être là, c'est super. Oui, ben oui, voilà. Le mien est réservé. Ouais, je sais, ouais, ma petite Catou. Il y a Ghost Paradise aussi qui sont là. Oui, je l'ai dit, Jordan. Ouais. Je l'ai dit juste avant, Il y a ouais. souvent d'autres enquêteurs qui viennent nous rejoindre. Ouais, c'est ça qui est sympathique parce que nous, on est ouvert à tout le monde, voilà. Ben voilà, regarde. Toi. Et c'est. Il y en J'arrive a quand dans même 5 pas. minutes. Il n'y a Il pas y de en a pas souci. mal. On va commencer à poser des questions. Voilà, on ne va pas faire attendre les gens davantage. On va essayer d'être assez tranquille. Voilà. Oui, Hein, on on va est poser les détendu, questions. hein. Marie, merci d'être Non. là, c'est trop cool. Voilà, ce qui va permettre aux gens de Apprendre la pouvoir à connaître. partager, venir sur Je partage le lien voilà. YouTube des couloirs du paranormal. Paranormal où il y a la page sur Facebook, les couloirs du Oui, paranormal, c'est d'ailleurs. pareil, voilà, ça change pas. Hein. On va pas changer de nom et pour YouTube et pour la page, hein, on reste sur le même Ah ben comme nous, voilà, tout, nom partout, pour que les quand gens puissent même. tout simplement nous. Ouais, se reconnaître dans ce que Ouais. vous faites, quoi. Ben oui, voilà. Donc, comme ça, ben, les gens, quand ils nous voient, ben, ah oui, ben oui, ils sont là. Donc voilà. Donc, ce qui nous permet de. Et puis, c'est pas. Miroir de Morgane. Et... Alors, si je suis peut-être un peu dans le noir, mais j'ai pas trop le choix si je veux garder une connexion correcte. Donc, ce qui nous permet d'avoir une trame de partout. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Ouais, ben, de toute Voilà. façon, c'est ce que nous on a fait aussi. Hein. Je Tu pense gardes les que mêmes c'est logos partout. Quoique, on est en train Alors, de réfléchir quand même sur un changement de plan de logo quand même. mais après, oui, voilà, faut vraiment que le logo corresponde Après, à. le logo que tu as derrière, tu vois, je vais pas mentir, Rachou, tu vois, il nous représente bien les couloirs du paranormal, sauf que nous, au milieu, là, on aimerait voilà, derrière, là, on aimerait avoir un petit fantôme qui passe. Le logo du fantôme, je l'ai. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un où ça coûte extrêmement cher pour refaire un logo, quoi. Alors, Mais s'il le y a des logo, âmes charitables. Et on peut ouais, garder ce logo. Parce qu'après, plus tard, on va faire des t-shirts. le logo que tu vois là, donc sur Ouais, le on veut rond, là, simplement avec le. le miroir de Morgane, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Après, il faut avoir le temps. Moi, je sais que tu as pu voir, j'ai beaucoup de travail en studio. J'ai vraiment pas le temps, quoi. C'est ce qu'on a expliqué hier soir aussi. On a essayé d'expliquer à nos abonnés. Ben C'est oui. que voilà, je passe sur comme on a dit, sur 5 heures, j'ai peut-être 20 ou 30 heures Comme tout, ouais, voilà, c'est exactement ça. d'analyse, plus derrière, ben, faut couper les parties, ben, là où il n'y a rien. Ben, malheureusement, pour YouTube, on va pas les faire poireauter comme les gens qui ont vécu avec nous le live sur la page. Donc sur YouTube, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de coupures. Mais bon, ça reste quand même du travail. Voilà, ça reste du Ah travail. oui, c'est du travail, hein. C'est avant, pendant et après, hein. Après, Donc, sans voilà. compter toute la logistique, hein, sans compter, comme on disait avec Nico, nous, hier soir, on l'a bien redit à la fin de la vidéo, on veut bien prendre des abonnés avec nous, mais bon, prêt pour se faire replanter à la dernière seconde ou que les mecs ne répondent pas, non, ça ne nous intéresse pas, quoi. C'est pour ça que souvent, on a Laetitia avec Ben nous, ouais. qui est à la base une abonnée. Mais qui est aussi une amie, parce que ça fait des années qu'on connaît Letty, et qui est adorable, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, qui gère aussi la page avec nous. Bon, elle ne gère pas que la page des couloirs du paranormal. Donc, si nous, on n'a pas le temps de. Si les gens, ils veulent nous poser des questions, si nous, on ne les voit pas, Letty répondra. De toute façon, Letty, elle nous connaît par cœur. Elle sait. Tout à Voilà. fait.
C'est pour ça qu'on a un trio aussi avec nous. Faut pas rêver, on peut pas être partout. Et puis les deux, ils bossent. Hein. Moi, j'ai de la chance, je bosse à la maison. C'est voilà, le top. Hein. Moi, je peux être à 200% sur les montages. Bon, après, je peux pas être partout, je peux pas répondre. Et la chaîne, parce que sur la chaîne, sur YouTube, je suis le seul à m'en occuper. Donc, je peux pas être partout. YouTube, la page, j'ai encore deux pages à moi. Vous entendez les modos, les filles, là? Ben, on en a perdu une. Je vois des rideaux, c'est déjà pas mal. Parce que là, c'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis. Donc, je ne peux pas être partout. Moi aussi, je m'occupe des montages et des analyses. J'essaye de le faire avec les filles. Parce qu'elles font partie, elles ont une oreille différente, elles font partie intégralement. Voilà. C'est pour ça qu'on fait aussi le live modo, pour que les filles puissent elles aussi pas être que derrière l'écran, mais être aussi à la voix, pour que justement que tout le monde soit ensemble. Voilà. On essaye de faire les analyses ensemble pour écouter, même si c'est pas évident, parce qu'à travers un écran, on n'entend pas forcément la même chose. Je m'occupe de YouTube. Là, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de montage vidéo, donc je suis en train de le faire. J'ai commencé, mais ça a planté. Je suis obligé de recommencer. C'est les aléas du comme on dit, les aléas. Et puis, je peux pas être en enquête, à dérocher, à faire les montages, à créer les locaux, à mettre toujours des publications pour faire vivre la page, parce que la page ou le groupe, la team, ou le groupe de partage, pour qu'on soit toujours vu dans le fil d'actualité, pour que les gens tombent dessus. Pas tomber dessus, mais tomber dessus. Wow. Voilà. Et donc là, c'est une histoire d'équipe. Quand on est une équipe, on fait, tout le monde fait... comme ça, qui permet justement pour qu'il y ait une bonne osmose et une bonne entente. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux filles et on va te poser des questions. Il y a le champignon où ? Bon, allez, on commence. Allez, n'aie pas peur, on ne mange personne, on a mangé avant. On ne sait jamais. T'es sur le pilori et t'es sur le banc des accusés. Donc, je vois ça. Nico, au secours. T'inquiète. Bon, je me lance. Allez vas-y, lance-toi. Mais pas trop fort, ça fait trop mal. Bon, allez, on arrête les bêtises. Allez. Bon, alors, j'aurais voulu savoir, moi, depuis... combien de temps dans le para et comment tu en es arrivé là avec Comment j'en suis arrivé là? L'équipe, c'est pas compliqué. Déjà, à la base de l'équipe, on est deux à 100%, donc c'est-à-dire moi et Nico, où on est les créateurs de les couloirs du paranormal. Nico est arrivé au mois de février. On s'est revu au mois de février. Il était passé sur ma page où je faisais de la vidéo et de la photo. Sur les animaux, et il me dit ça avance ton truc? Je dis écoute, ça avance pas, j'ai un projet, je veux devenir caméraman, c'est compliqué, je fais comme battre avec le pôle emploi. Il me dit écoute, moi j'ai un projet, si ça t'intéresse, hein, écoute, il me dit à bosser, vaut mieux qu'on bosse en binôme avec, vaut mieux que je bosse avec quelqu'un que je connais. Donc voilà, je te présente le projet, il me présente le projet, voilà, je fais, ça te dit qu'on fasse du paranormal et tout, style Ghost Adventure et tout. Il me dit, je sais que tu es un accro de ça, puisque tu regardais la série, forcément. Et c'est vrai, et je dis, écoute, je suis OK, mais point d'interrogation. On te balance un projet à froid, sans réfléchir, et on te dit, dis-moi oui. Mais non, dis-moi oui, il faut que le projet, quand même, il tienne la route. Hein, et il ne faut pas que deux mois après, tu arrêtes. Et je dis, ouais, mais Nico, c'est compliqué, les lieux, les machins, il y a des autorisations des fois à demander. Bon, je dis, j'avoue, il y a des fois, on sera c'est qu'on va dire, hein, comme les urbexeurs, hein, pas légal, hein, puisqu'on n'a aucun statut, que ce soit les youtubeurs ou quoi, on n'a aucun statut de style journalisme. Hein.
Donc, j'ai dit, ben, il y a des moments où, ben, tant pis, la maison du diable, hein, faut pas croire. Hein. J'ai dit qu'on a fait une enquête avec Nico, là, chez nous, j'ai un accord verbal. Sauf que si tu te fais arrêter, ben, t'es en délit. Parce que qui te dit que le maire, il va te suivre derrière. Donc, tu vois, j'ai dit, tu sais, il y a quand même des risques et tout. J'ai dit, écoute, moi, je fais pas, on ne fonce pas tête baissée. Tout se réfléchit dans la vie. Et un jour, je le rappelle, je dis, allez, vas-y, on pose. Mais voilà, et c'est parti comme ça. Et après, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu as le moral, tu dis, putain, on ne fait pas de vue, machin, c'est compliqué. Et petit à petit, tu te dis, ah, chaque chose en son temps, ne te presse pas, c'est compliqué, YouTube, Facebook, c'est... Et c'est vrai que ben, maintenant, on commence à monter tout doucement. Et ça fait plaisir au cœur parce que voilà, on voit qu'il y a des gens qui tiennent à nous, qui nous supportent. Hier, Nico, première fois de ma vie que j'entends parler Nico me remercier comme il me fait. C'est la première fois de ma vie. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si ce soir il est passé en viteuf là. Ben, franchement, poteau, je te serre sur les bras parce que c'est la première fois où tu me dis je vois que tu taffes à mort. Parce que je taffe à mort. Là, il me dit, hier soir, il m'attrape, il me dit, ça fait combien de jours que tu n'as pas dormi? Je dis, ça fait 72 heures. 72 heures, pourquoi? Je dis, ben, je suis à fond dans les montages, gars. Je dis, je crois que ça se fait tout seul. Donc, j'ai 72 heures où je bosse, ça fait 72 heures où je bosse jour et nuit. Je dors même pas demi-heure par nuit. Je dors, j'ai le cerveau qui cogite. Faut que je me lève. Je dis, ah, c'est pas possible. On a entendu ça, il y a ça sur le direct. Et de longue, tu re-télécharges ton direct parce que tu fais ça. Et c'est... Après, c'est comment dire, mais tu deviens accro paranormal. C'est débile. Hein. Dimanche, tout est pas. En plus, dimanche, on n'est pas parti pour faire une. Voilà, je vous explique. Hein. Dimanche, on n'était pas parti pour faire une enquête avec Nico. On était parti, j'ai dit, Nico, faut qu'on remonte. Tu sais, t'as vu la dernière fois, là, l'enquête, 4 ans, il y a eu quelques petits trucs. Je veux tenter une expérience. Pour qu'on arrive à communiquer, puisqu'on est là pour essayer de communiquer avec le monde de l'invisible. Il me dit, ah ouais, ouais. Puis en fin de compte, tout est parti en vrille là-bas. Et alors là, du coup, allez, vite, trace, pose vite le matos. Nico, il attaque vite. Au départ, le direct qu'on devait faire sur notre page devait durer maximum une heure. Ça a duré 5 heures. Voilà. Et on est parti en enquête qui n'était pas prévue. D'ailleurs, sur voilà, petit coup de pub pour nous, ça sortira en hors-série parce que ce n'était pas du tout prévu. On était monté pour faire une expérience et se demander comment on pouvait communiquer. Parce que la dernière fois, on a fait le pensionnat. Pensionnat, voilà, j'ai eu une réponse à travers les micros, mais je n'ai pas entendu à l'oreille. Je ne l'ai pas dans les caméras, ni dans les plans fixes. Donc, je me dis, il faut... Il n'y a aucun guide sur le paranormal. Il ne faut pas rêver. Tu peux lire 20 000 bouquins. Ah non, ils interdisent le guide. Ah ouais, c'est ça. Demain, tu reviens, tu n'auras rien. Et ça peut. Et au sanatorium, on l'a fait deux jours. Et deux jours, on avait eu déjà des trucs. Donc, en fin de compte, on vous dit, ouais, les fantômes, ça commence à partir de minuit, une heure. À partir de la nuit. Non, mais il faut arrêter de rêver. Les fantômes, s'ils ont envie de... Un fantôme, c'est comme un être humain. Hein. T'es vivant, ben, eux, ils sont vivants, mais dans un autre monde. Donc, s'ils ont envie d'intervenir en journée, ben, ils interviendront en journée. Ouais. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils veulent intervenir avec toi. Parce que, ben, on l'a vu avec Nico. Nico, des fois, il entend des voix que moi, je n'entends pas. Et vice-versa. Donc, ça devient comment être rationnel dans l'irrationnel. Donc, ça devient très compliqué. Donc, voilà. Et c'est quand C'est ça. Et aussi bien, on y remonte ce week-end, on n'aura pas du tout ou on n'aura rien. On sera en mode balade, quoi. Mais oui. C'est compliqué, le monde du paranormal. Il y a Sonia Ferry qui demandait combien vous étiez dans l'équipe. Alors, dans l'équipe, exactement, on est deux. Il y a Letty qui est en renfort assez souvent avec nous. Quand même. Parce que Letty, elle a quelque chose que nous, on n'a pas et qu'elle ne veut pas qu'on en parle. Donc, voilà, j'en parle pas. Oui. Elle a des ressentis que forcément,
ou moi ou Nico a pas. Et malgré que la plupart du temps, j'ai plus ou moins les mêmes ressentis que Letty. Voilà, c'est voilà. Normalement, on est deux et avec Letty en renfort le plus souvent qui nous file un gros coup de main. Et d'ailleurs, on l'en remercie parce que. Mais on en a plein comme ça qui sont sur la page, qui nous filent des gros coups de main sur pas mal de choses. Et c'est bien. Ça permet d'évoluer et soi-même et avec les autres. Et voilà. C'est encore mieux quand on peut vérifier les dires. Ouais, ouais. C'est clair. Il s'appelle le partage. Alors, bon, quel appareil utilisez-vous ? Alors je vais être radical. On est, alors, j'utilise des micros de gamme qui valent 400 euros le micro, une carte son qui en vaut pratiquement 500 euros, un enregistreur numérique spécial informatique de sonorisation qui en vaut autant. Il y en a pour 800 euros de logiciel. Voilà. Tout ce qui est K2, tout ça, Nico, il en a un, mais bon, gros point d'interrogation. Franchement, tu approches, même avec la, je l'ai essayé avec une lampe torche, je l'ai déclenché, son K2, j'ai dit, mais oui. C'est du pipeau, ça. L'Ovelus, je l'ai en logiciel sur le téléphone, donc pourquoi, voilà, d'ailleurs, reproche qu'on a eu sur Facebook, il faut arrêter les GSM, sauf que moi, si j'ai pas de connexion à Internet, mon L'Ovelus, il marche pas. Donc, il a besoin d'Internet. Donc, au bout d'un moment, merci, au revoir, bonne journée. Et puis, on ne peut pas couper les téléphones parce qu'on est en direct, nous, sur la page. Donc, voilà. Après, matériel, c'est surtout nos ressentis, ce qu'on a dans les caméras, les bruits. J'ai investi à fond dans des détecteurs de mouvement, là, des petites lampes à LED, là, détecteurs de mouvement. Donc, voilà, on essaye. On aimerait qu'ils interviennent, mais autrement. Voilà, c'est compliqué. De toute façon, comme j'ai dit, il n'y a pas de guide dans le monde du paranormal. Hein. Et j'ai vu aussi le K2. Le K2, est-ce que c'est pas trop fiable, je trouve, le K2. Ah, mais de toute façon, moi, je pense que c'est des gadgets, tout ça. Faut arrêter de rêver. Hein. J'arrive avec le téléphone portable quand tu es en live. Oh, ouais. Bah, de toute façon, ouais. Pas de pendule ou de baguette. Ben écoute, j'ai deux pendules qui appartenaient à mon père qui m'ont demandé de les reprendre en main. Mais voilà, mon père en étant décédé, j'évite de. Pareil, si je voulais, j'aurais pu faire des cartes aussi. Donc voilà. Oui, les pendules, il faut que ce soit à toi. Non, mais moi les deux pendules, ils m'ont accepté. Hein. Quand mon père est décédé, je préfère quand je les ai récupérées. Ouais, mais non, les réponses moi, sont liées aussi. Mais il y a des moments où, pareil, le pendule, c'est un coup, il a envie, puis ça dépend de toi. De toi personnellement, de toi mentalement, de toi physiquement. C'est-à-dire que le pendule que tu. C'est toi qui vas aller le choisir. Et ça va te correspondre. Ma petite Sonia. Parce que même si tu as fait le lien avec le pendule, c'était à ton père. Donc ils ont un lien particulier. Ouais, c'est ça. Alors je les garde, je les recharge souvent. Parce que normalement, ça, les gens ne le savent pas. Un pendule, ça se recharge. Et ça se recharge à la lune quand c'est la pleine lune. Oui, et ça se nettoie. Hein. Voilà. Et pour le nettoyer, il faut le nettoyer à l'eau, tout simplement. Je vais répondre à Sonia, qui est une abonnée de chez nous. Alors Sonia, tu peux rêver la table de Ouija, même pas en rêve. Parce que ça, tu ouvres une porte, mais tu ne sais même pas d'où tu ouvres la porte. Ça, c'est mort. C'est vraiment le cas de le dire. C'est mort. C'est même pas un rêve. Tu le fais. Écoute, viens un jour avec nous en enquête. Tu le fais, mais bon, moi, je reste dehors. Je pose la caméra, je me casse. Vous me rappelez une fois que vous l'avez fait. Et surtout, refermez bien la porte à clé. D'où le couloir, d'où les couloirs du paranormal. Il y a plein de portes. Et le guéri. J'aimerais bien essayer ça. Mais ouais, alors, j'ai un peu peur que ça soit un peu comme la table de Ouija. J'entends ce que tu dis, Henri, mais que ce soit avec la Ouija, les pendules, les baguettes ou n'importe quel même. De toute façon, on ouvre une porte, hein, qu'on le veuille voilà, pas. Voilà, c'est exactement ça. Donc après, d'entrée, tu rentres, tu dis bonjour, tu commences à poser des questions, tu peux dire que tu as ouvert une porte, mais tu ne sais pas laquelle. Et tu ne sais même pas si tu vas arriver à la refermer quand tu vas partir. Oui, mais Henri, tu devrais essayer, parce que moi, je l'ai essayé avec Arashu. De quoi, parce que je ne voulais pas le, ça. Le Ouija.
Ouais. Le Ouija Et ou je le ne voulais pas. guéridon? Et Non, mais le j'essayais avec Ouija, même pas un rêve. J'ai trop vu de films de peur pour ça, même pas un rêve. Mais À la justement, limite, est-ce que... le guéridon, je suis prêt, mais alors le Ouija, n'en parle même pas à Nico, parce que Nico, il va te dire non d'office lui aussi. C'est bon. Mais est-ce que tu crois justement que c'est pas à cause de ces films-là qui maintenant la Ben, Ouija Nico. est considérée comme extrêmement dangereuse, que ça attire le mal, que c'est... Non, mais le problème du Ouija, moi j'en ai parlé avec des personnes qui l'ont fait, et après il leur est arrivé que des problèmes avec ça, et ils te disent le problème c'est que tu ouvres des portes, mais en fin de compte toi, tu peux bien croire que tu as quelqu'un de ta famille, et puis derrière en vérité c'est pas du tout ça, hein. Le problème il est là, c'est qu'en fin de compte tu ouvres vraiment des portes. Tu sais pas, tu sais pas, si c'est pour Oui, avoir ben, dodo, non. c'est Dodo, je l'ai voilà. eu une fois Ah, avec moi, il y a pas, il y a, y a quelques temps en arrière, qui se souvient plus de ce qui lui est arrivé à dodo. Tu vois, et puis moi, le dodo, tu vois, il m'a collé pendant 3 jours, je me suis tapé une dépression nerveuse. Alors c'est merci, non merci, tu vois. Alors le Ouija, même pas un rêve. Hein. le pendule, oui, le pendule, c'est la même chose, que ce Voilà. soit des baguettes, Mais le n'importe problème. quel ustensile, hein, ustensile. Dès lors que tu fais quelque chose. Tu fais une ouverture avec quelque chose. Ouais, mais c'est ça. Le truc, c'est que les gens, ils ouvrent, mais ils ne savent pas refermer derrière. Et ouais, et Donc, puis ils créent un portail et il y a toutes les merdes qui peuvent rentrer à l'intérieur et venir Ah, t'embêter. mais je suis sûr que même dimanche, là, qu'on est parti d'enquête, je suis sûr qu'on a ramené des trucs, hein, faut pas rêver, hein. Moi, des fois, j'ai des trucs qui bougent à la maison, je me pose la question. Mais après, bon, je sais comment ici j'ai du monde, donc voilà, Voilà, ça après, pivote comme ça. voilà. Dès lors que tu as fait une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que tu laisses la possibilité d'interagir avec toi sur des lieux, ils le savent aussi. Ils le savent aussi que tu as la possibilité ils ont la possibilité d'interagir avec toi. Bon, tout à l'heure, je vais enlever mon image qui est derrière, mais par exemple, mon placard, c'est un détecteur, c'est tout. Ouais. Tout le placard est un détecteur de lumière pour qu'on voie à l'intérieur du placard, hein, c'est des étagères. Eh bien, moi, il faut ouvrir la porte pour pouvoir que ça détecte si ça Ouais, s'allume tout ouais. seul. Il n'y a personne, c'est en hauteur, hein. Ah, mais Donc, moi, le ça m'a fait pareil la dernière fois avec placard. la télé qui est neuve, tu vois. T'as le voisin, Voilà. tu sais, de veille de la télé, là. Moi, quand elle est allumée, tout est noir. Et quand elle est en mode veille et que tu as arrêté la télé, il est en orange. Mais pourquoi ça clignote, hein, et t'as la télé qui s'allume pas? Tu vois le délire? T'es en pleine Oui, nuit, tu te c'est réveilles, arrosé c'est. tout seul. C'est 2h30 du matin, tu vois ce truc clignoter, tu dis, mais sérieux, vous allez me casser les pieds maintenant, là, 2h du matin. Moi, 2h, des Voilà, fois, je on avait dors, hein, gars. Hein. hier aussi il s'amusait à toutes les nuits à une heure bien précise. C'était l'heure de ce monsieur-là. Une heure bien précise et elle allumait la télé et carrément la barre de son. Voilà, ils étaient obligés de débrancher. Parce qu'ils s'amusaient avec, voilà. Ils aiment Après, bien. Voilà. j'aurais bien aimé que j'ai une copine qui est voyante, qui travaillait souvent, je vais le dire des fois avec mes dons, parce que quand je suis fatigué, je les refile. Et j'ai une copine qui est voyante, des fois qui s'en sert. Et elle me dit, depuis que tu m'en as passé un peu, que j'ai travaillé avec toi, elle me dit, j'ai vachement doublé de trucs. Et c'est ce que la dernière fois, j'ai dit, on a essayé de s'expliquer, mais je dis, je crois que c'est incompréhensible. Déjà, rien que les dons aussi de voyance. J'ai dit, j'arrive pas à comprendre. Et écoute, elle a mangé un soir, il y a quelques temps en arrière, avant que je perde. Je crois que si j'avais perdu mon père à cette époque-là, elle a mangé, elle a vu un classeur qui était posé à plat, décollé en plein milieu du salon. Elle m'a dit, mais alors là, c'est incompréhensible. Et puis j'ai dit, écoute, si tu le sais, moi, ça fait un mois que ça me fait ça. Ça, le Et clavier qui vole, poltergeist à la maison. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh, Maletti. Bonjour, Lucie. Coucou. Ça va Merci la d'être passé. blonde. Ouais, je vais passer un petit peu. Tu Mais je viens. montre pas ma tête parce que je suis à Non, moitié au lit. il n'y a Mais pas de souci, t'inquiète t'as pas. une Du sale moment qu'on tronche. s'entende, c'est le principal. Je suis Voilà. à moitié endormie donc. Et Mais tu viens voilà, me sauver je tenais à vous de faire tout. un petit coucou. Et c'est Ah, ça c'est gentil cool. comme tout. Merci C'est beaucoup, super c'est sympa, gentil. ouais. Ouais, Super gentil. pour ton Ben, équipe merci à comme vous, pour ouais. toi Pour aussi. Nico et Henri, merci.
Merci à toi surtout d'être là pour nous quand même. C'est pas à toi à nous remercier, c'est nous plutôt à te remercier. D'ailleurs, on l'a fait hier soir en vidéo. Ouais, merci. Non, mais merci grave à toi et merci aussi aux membres de notre page, quoi, et ceux de la chaîne. Et voilà, c'est ça aussi. Et merci aussi à toi, Rachou, de nous avoir invité aussi, parce que voilà, c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut évoluer, avancer, se poser des bonnes questions, parce que des fois, on n'a pas toutes les questions non plus. Hein. Le problème, c'est le problème du paranormal. Après, il faut de tout pour tout le monde, hein, voilà, chacun voit comment ce qu'il ressent par rapport à l'enquêteur. Il faut qu'il y ait vraiment le feeling. Donc c'est pour ça, même s'il y a du monde tout autour qui fait des enquêtes, hein, peu importe, mais au moins qu'il y ait le feeling et qu'on arrive à avoir des réponses, parce que on est comme les gens qui sont donc les abonnés, hein. Même que ce soit vous. On reste des êtres humains, hein, après tout. Voilà. On a pris simplement le fait qu'on va sur le terrain. OK, il n'y a pas de souci. On a acheté du matériel, il n'y a pas de souci. Et on est là pour justement partager, puisqu'on se pose aussi des questions et on essaie d'avoir ces réponses. On les transmet. On est juste là des vecteurs de transmission de ce qu'on vit aussi sur le terrain, parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas y aller, ils ont trop peur, peu importe les raisons, mais en tout cas on est là vraiment pour ça, c'est ce que vous faites, et vous faites bien les uns comme les autres, et vous êtes trois personnes qui est vraiment, ouais, c'est ce que je disais, hein, vous êtes en osmose. Ouais, il n'y a que dimanche où on l'a maudit qu'elle soit pas avec nous, parce que dimanche chaque fois qu'elle est pas avec nous on prend une tannée. Mais alors là, on l'a maudit. Je te jure, Letty, qu'on t'a maudit dimanche. Je dis, putain, elle n'est pas là. Nico, pareil, il me regardait, il me dit, tu vois, elle n'est pas là. Et on en prend plein la poire pour pas un rond. Je dis, mais tant mieux, c'est pas ce qu'on veut. C'est ça, vous le cherchez, vous trouvez. Après, c'est ce qu'on a expliqué aussi sur la vidéo hier soir. Hein. On le cherche, hein, de toute façon. On est là pour ça. Ouais, ouais. Voilà. Par contre, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est, je l'ai eu beaucoup sur un YouTube, je ne l'ai pas eu sur la page. C'est vrai qu'en ce moment, on est à fond sur la provoque avec Nico. Et voilà, parce qu'on s'est aperçu que ben, si tu vas, tu fais coucou, salut, est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire un petit mot, ou passer devant la lumière. Ben non, ça ne réagit pas. Que si tu vas, c'est quoi à dire, mais Nico, c'est le roi de la provoque pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chaque fois qu'on y va, que tous les deux, on prend des tannées quand il n'y a pas Letty. Je crois que c'est pour ça que chaque fois, je les calme. Je pense que Letty, elle doit les calmer, tu vois. Et nous, derrière, on prend de ces tannées qu'on y va que tous les deux, parce qu'en fin de compte, on est à fond provoque. Hein, et parce qu'on s'aperçoit que si on y va que tous les deux, si on ne provoque pas, on n'a rien. On n'a aucun phénomène. Hein, si on est en mode balade. Voilà, mais c'est bien, mais bon, faire des kilomètres pour se balader, autant qu'on reste à la maison devant la télé. Hein. Mais là, non, c'est pas ce qu'on veut, nous. Comment communiquer. Hein, quand vous êtes tous les deux et qu'il n'y a pas Letty, vous ne ressentez rien du tout de particulier ou... Ah si, on en prend plein la poire, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Si, la maison du diable, voilà, ils se sont servis de nous. La maison du diable, il y en a un là qui m'a sorti. Je ne veux pas y aller, moi. Ouais, elle veut pas y aller. On lui a dit, sérieux, il faut que tu viennes. Non, mais j'en fais des cauchemars. Chaque fois qu'ils y vont, la veille, je dors pas. Je pense qu'à ça. Et en plus, quand ils y sont, je suis en direct avec eux, mais au téléphone. Et l'entité parle à travers Nico, mais il me parle à moi, quoi. Donc, je sais très bien qu'il ne faut pas que j'y aille, quoi. Il attend que ça, que j'y aille. Donc, oui, parce qu'ils savent très bien que tu as la possibilité de discuter avec eux. Ouais. Valérie, comme dit Valérie aussi, attention à la provocation. Il faut savoir provoquer. Mais dimanche, on a été cool. On a été à fond sur la provoque. Du moins à fond, je me comprends quand je dis à fond, on n'a pas été non plus. Au bout d'un moment, on leur dit on va vous lâcher un peu parce que nous aussi, ben derrière, tu fatigues hein, physiquement, tu prends des boîtes. Hein, tu provoques, tu es dans le noir, tu n'as aucun repère. Hein. Si Nico, le seul repère qu'il avait, c'était ma frontale en rouge. au bout d'un moment, il me dit non, moi j'en peux plus. J'écoute, moi j'ai besoin d'un café.
de trois bonbons là parce que je suis mort quoi physiquement t'en peux plus quoi et c'est vrai que c'est compliqué quoi après t'es obligé de prendre une pause ouais, quand tu joues provoque au bout d'un moment ouais t'es obligé de leur dire écoutez on va lâcher la pression. Et on et revient les après. Ils parlent tout le temps comme ça. Non. Ils s'arrêtent jamais. T'es dans le fur. Sinon, après, tu vas voir au bout d'un moment, il se met à danser aussi. ça, c'est quand il commence à s'inquiéter. Hein, quand il commence à danser, quand on est en enquête, là, on se dit oui, il va se passer quelque chose. Ça ou quand je commence à sortir 3 tonnes de conneries. Vas-y, Betty, comme tu es là, je vais te poser une question. Comment tu es rentrée dans le paranormal en fait? Alors, rentrer avec l'équipe, je les connais depuis qu'on a 16 ans ou 17 ans. Ouais, voilà. Ouais. On est gamin. Après, on s'est perdu de vue. Et puis un jour, je vois Nico qui me dit ça. Je dis, ah, mais c'est sympa et tout. Et puis un jour, je dis, bah, écoute, si un jour ça vous dit, je peux venir avec vous, un truc comme ça. Je me dis, et depuis, ah, okay. Nous lâche plus. Voilà. Après, non, on m'a toujours dit que j'avais des dons. Merci Toff, si c'est toi, excuse-moi, je ne sais pas si non, c'est vous. Pas grave, de passeuse d'âme, donc du coup, en fait, ils viennent à moi, j'ai pratiquement rien à faire. J'ai fait quelques expériences qui se sont mal tournées, donc j'ai arrêté complètement depuis plusieurs années. Donc là, je vais avec eux, je le sens quand il y a quelqu'un qui est là ou pas là, qui est... Et j'ai un pendule avec moi, donc quand ils sont, je ne suis pas avec eux, je les protège avec mon pendule de chez moi. Ou je provoque un petit peu comme dimanche, quand j'ai demandé à ce qu'ils touchent Nico. Donc c'est à cause de toi qu'on a pris les dix. Il fallait qu'ils touchent Nico, donc ils ont tiré son sac à dos. Après, j'ai dit de se montrer à la caméra. Il a fait le SLS là. Mais après, je les protège sans arrêt quand je ne suis pas avec eux. Et quand je suis sur place aussi, avant, je fais les prières avant d'y aller, je fais tout. Voilà. Voilà. Tu fais tout ce que tu dois faire. Voilà. Tout ce que je dois faire, voilà. Après, je ne veux pas me lancer à fond dedans comme je le faisais avant. C'est quoi la mauvaise expérience, justement? Pourquoi tu dis que tu as une mauvaise expérience et que tu as tout arrêté du jour au lendemain et... Alors, je faisais l'écriture automatique et je n'ai pas eu de bonne personne avec moi, ce qui m'a causé des problèmes de santé un petit peu. Donc, du coup, j'ai complètement arrêté et j'ai tout bloqué. Voilà. Après, là, j'ai toujours mon pendule. Donc, de temps en temps, je fais avec eux. Mais je ne veux pas me replonger vraiment, tu vois, reparler avec les âmes et tout ça. Voilà. Je ne veux pas retomber sur des mauvaises personnes. Donc, je sens que c'est mauvais, comme la maison du diable. Je sais qu'il ne faut pas que j'y aille, donc je n'y vais pas. Là, le pensionnat, ce n'est pas méchant. Voilà, c'est un gardien. Je pense qu'il y a des enfants aussi. Et voilà, donc j'y vais. Mais voilà, les endroits suivants où ils me disent, je le sais avant, tout en sens qu'il ne faut pas que j'y aille. Le gros projet, tu seras avec nous quand même. Oui, s'il y en a plusieurs. Il n'y a pas très longtemps. S'il y en a beaucoup. Mais justement, j'avais une question là-dessus. Savoir si vous étiez, si vous aviez quelque chose pour vous protéger. Donc, Letty a répondu. Oui, j'ai des prières et... Moi, je suis un peu comme Letty, mais moi, je fais tout par bougie, moi, en principe. Mais Nico, Nico, laisse tomber. Hein. Non, Nico, protège-toi. Donc, je le fais pour lui, quoi. Voilà. Ouais, je lui fais, ouais. Voilà, même quand il repart de la maison du diable ou autre, je fais plusieurs trucs toute la soirée pour le... Ouais. La maison du diable, j'ai amené une bougie blanche que je suis allé chercher à l'église. J'ai dit, il faut que tu la fasses brûler quand tu rentres à la maison. Mais vous savez quoi, il est encore entier. Hein. Donc, je lui dis, bon, à la limite, c'est quoi, je l'aurais gardé pour moi, c'était pareil. Hein. Je lui dis, tu t'en serviras le jour où on te coupera l'électricité. Ben oui. Ouais, c'est pour ça, quand ils provoquent et tout ça, tu vois, j'essaie de leur dire, mais allez-y doucement quand même, parce que tu sais pas trop ce qui peut te tomber dessus, quoi. Donc, mais au Sanat, non, c'est gentil, je pense, ça va plus s'amuser avec nous, communiquer. Mais tu vois, il regrette, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, hein, et au sanatorium, là, quand j'ai eu la voix là, du garçon qui me disait, du petit enfant là, qui me disait par ici à la fin, tu vois, il regrette d'être parti.
Ouais, il me J'ai l'a dit dit, tout tu à l'heure vois, aussi, il m'a appelé. Ouais. je lui avais dit, non, faut continuer, faut continuer, tant pis, il y a quelqu'un, ben, tant pis, on le zigouillera avant que lui nous zigouille. Hein. Non, non, on part, on Non, part, on non. part. Non, mais après, Si, si, il d'un nous avait côté, dit il au a revoir raison. l'autre fois. Donc, Et je disais, mais moi, il fait que me rappeler, je suis en train de démonter le matos, il me dit, par ici, par ici, par ici. Et ça reste choquant. Et il va expliquer, toi, que t'entends une voix. Je dis, Ah, c'est un pour des psy, gens l'autre, il qui va n'y en croient faire un, hein, pas, je te c'est le dis. difficile. Et là, tu te dis, eh merde, j'ai pas la caméra sur moi. Donc vas-y C'est pour souvent comme prouver que ça. tu as entendu que. Ouais, mais Elle est plus de j'avais belles preuves. plus de batterie à l'ordi, j'avais Merci, plus ma rien. fiche Donc, Françoise, c'est vraiment gentil. C'est Merci, Fanfan. Et vous avez fait quoi comme endroit Oh là. insolite ou le plus vous avez eu peur ou enfin, tu vois, vous avez plus de vues de choses? Peur, non, parce que moi, plus il y a des trucs et plus ça me fait Ouais, envie. plus tu te régales, ouais, c'est ça. Il est comme moi. Ah, J'ai ça aussi, j'ai il n'a plein de pas batterie. toujours été, il n'a pas Non. toujours été Au comme ça. début, quand je suis rentré dans le miroir de Morgane, j'étais là. Maintenant, mais le mieux, Appris au fur et à mesure, voilà. Je lui ai c'est donné des clés et il a appris au fur et à mesure. Et bon, de ressentir les choses, mais de pas s'éparpiller, de rester neutre sur le lieu. Et plus tu restes neutre, c'est-à-dire plus tu prends de la distance émotionnellement, hein, je parle, hein. Ouais, moins ça t'attaque. Émotionnellement, moins on t'atteint et moins, voilà. Ah, Et au contraire, on est là pour avoir de l'interaction, donc on peut nous toucher, on peut toucher le matériel et compagnie. Bon, ça nous enquiquine parce que quand on s'amuse, on remet en place la caméra et puis que 2 secondes après, tu as la caméra qui se réteint alors qu'il commence à grogner parce que c'est un grogneur, hein, Charlie. Pas les Merci. Je suis d'accord avec toi, c'est le truc qui me saoule voilà, il là. en En a ce marre. moment, il s'amuse avec la vision nocturne. Et là, sur YouTube, on m'a dit, ouais, non, mais c'est toi. Non, mais t'as vu, gars, t'as vu la rapidité ou à laquelle ça change ma vision nocturne. Je suis pas une machine encore. Donc, Je veux bien. Et là, on non, l'a ben nous, prouvé on ce entend bien le week-end clic, en hein. direct. On entend le clic à chaque fois, Ouais. hein. Justement, le T'as le clic, et on bouton, quand voit la t'appuies sur le caméra qui bouton, t'as change le de bouton. mode, donc c'est pas possible. Donc, les personnes, voilà. Après, on peut dire ce qu'on veut, après, chacun a son opinion, hein. Voilà. Et donc le lieu le plus enfin, si tu veux en parler hein. Moi, le mien, mon Oui, lieu à moi. enfin un peu à vous tous quoi, les lieux qui vous ont le plus hein. Alors, le lieu. Il y en a une qui rigole, il y en a une qui a eu qui s'est pris un bon flip, c'est ça? Mon lieu, moi, c'est mon tout premier. C'est un château. Il y avait d'ailleurs mon collègue Olivier tout à l'heure était là pour en parler. Un château, on a même vu tous les deux le propriétaire dans sa voiture. Hein. C'était une traction. Elle était dans un garage. On a vu des drôles de visages dans les fenêtres. On a vu des choses à l'extérieur avec différentes. Oui. On a eu droit, toi, l'odeur du cigare dans une pièce. Des gamins qui couraient. On entendait pleurer. On a entendu chanter, jouer. Voilà. Bon, bref. Voilà. On a Ah oui, vraiment, d'accord. on a eu la totale. Il y a même des ombres, des choses comme ça, mais on ne peut pas les publier parce que, en fin de compte, les propriétaires n'avaient pas donné leur accord, Ah mince, malheureusement. d'accord. Mais oui, je suis là qui dit. Voilà. Et ça, et comme j'ai dit à Olivier ce jour-là, et je ne sais pas s'il confortera, mais je me suis fait dépuceler le cerveau. Ok. Voilà. Des choses incroyables et extraordinaires. Mais là, tout était réuni ce soir-là. Tout était réuni. Ça a commencé dans la petite maison. Après, ça a continué bah, je suis à un château, hein, dans l'ancienne ère. Et c'est vraiment voilà. Et on avait fait une partie de live, je crois, il me semble. On avait interrogé. Et après, on avait fait le truc. Et là, c'était voilà. Ça, c'est mon premier, vraiment le truc. Et j'ai plus eu cette sensation et ça me manque. Ok. Pardon. Il y a le truc, moi, qui m'a complètement bluffé. Et ça, j'ai apprécié parce que Rachou était avec moi. On était dans un sous-sol
d'un château. C'est un pigeonnier et on était dedans, quoi. Et tout d'un coup, la caméra qui tombe en panne, le Tascam qui tombe en panne aussi. Et là, on entend une voix de femme en train de chanter. Puis on l'a entendu tous les deux. Et là, j'ai dit, là, je kiffe. On peut même dire le château, parce que comme il a été racheté. Oui, il a été racheté. Voilà. Soit le château des gendarmettes, soit ouais. Le château La Belle au Bois Dormant. Voilà, c'est un château qui a été racheté. Et c'est vrai que le pigeonnier est enterré. Il y a une partie qui est enterrée et le reste de la tour a vraiment le. Mais ils ont laissé le pigeonnier à l'intérieur. Et puis on va aller là-bas. On va essayer. On va se taper un trip. Tu vas voir avec Nico, tu vas voir comment on va flipper. C'est clair. Henri, as-tu une date approximative pour le grand projet ou tu attends encore les autorisations? Alors, je vais te divulguer un petit truc, ma petite Sonia. Le projet, on y va lundi avec Nico, là. Donc, on va sur place lundi. Puis, il faut se dire que dans le grand projet, là, il y a deux projets exactement. Donc, il y a un projet de reportage normal pour ma chaîne, où ça sera Nico qui présentera aussi mon projet. Et derrière, ben, y a le projet paranormal. Et oui, pour le moment, on n'a pas de date, on n'a pas encore les autorisations. On monte lundi, voir exactement. Voir qui c'est qu'il faut qu'on voie pour avoir les autorisations. Parce que ben, là, malheureusement, ça reste un gros bâtiment qui reste un ancien bâtiment administratif. Voilà, j'en dis pas plus, hein, pour vous dire à peu près le lieu dans quoi on va. Qui est énorme et là on veut des autorisations parce que là on veut être enfermé. C'est quoi à dire, mais Letty, si tu viens, tu peux poser un jour de congé parce que là on veut être enfermé toute la nuit. On part pas, mais on part un samedi, hein, c'est le mieux. Alors non, c'est pas une nuit là où vous allez, c'est pas une nuit qui te voit. C'est 3 jours. Ah non, mais vu la grandeur du bâtiment, il y a Nico, mais pas une semaine de vacances, gars. Attends. Et par contre, qu'on leur demande du jus, parce que là, je vais avoir besoin du jus. Non, mais après, il faut prendre. Il est tellement grand que tu prends que les endroits où plus susceptible d'avoir quelque chose, quoi. Oui, voilà. Après, mais il faut y aller à plusieurs, quoi. Ah, mais. Que tous les deux ou trois. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, hein. Ouais. Les gars aussi, mais pour toi aussi. Hein. Ah non, mais je sais. Là, c'est le genre de truc où je sais que toute la soirée, j'ai quelqu'un qui va venir me. Pour une fois, il ne nous emmerdera pas à nous. Voilà. C'est pour ça qu'en fait. Tu ne verras pas ma danse. Tu parles. Justement, paniquer. Je retourne la question, moi, Letty. Ouais. Et Nico, quel le lieu où vous avez eu le plus peur? Alors. Moi, pour eux, je pense que c'est la maison du diable. Et même moi, à travers, j'ai eu peur parce que même moi, ils parlaient à travers le téléphone en m'appelant. Ils criaient mon prénom et tout. Donc, c'est même là, même en étant pas là-bas, j'étais chez moi complètement en flip parce que j'arrivais plus à contrôler peu l'entité avec mon pendule et je sentais Nico partir complètement. C'était pas lui et qu'en plus, l'entité rigolait. Donc, même chez moi, j'étais en panique. Je faisais que les appeler et en plus je faisais que même mettre des messages Nico appelle-moi, l'autre il disait non et rigolait. Donc même moi j'étais en panique chez moi, mais après non, j'ai pas eu peur. Après je suis allée Kosanat avec vous. Ouais. Et si le pensionnat religieux? Ah oui, le pensionnat, j'ai pas eu peur, j'ai même kiffé l'endroit, c'était tellement magnifique. Ouais, moi je suis. Mais peur aussi. Non quoi. Ouais, tu étais là-bas. Hein. Ouais, j'y étais au pensionnat, ouais. Ouais, c'est là que je t'ai vu, il me semble. Et non, là-bas, c'était plutôt, je trouvais un bâtiment magnifique, quoi, et dommage qu'il soit dans cet état-là. Ouais. Et je trouvais ça plus intéressant que ressentir des choses, en fait. Ce soir-là, je n'avais pas ressenti. Que le sauna. Ah, le sauna, chaque fois que j'arrive, je sais qu'il est là, quoi. Ouais, sauf que là, plus ça va, plus il y a des trucs en plus de ce qu'il c'est y a ça. D'habitude. Oui, c'est simplement, justement, avec Letty, la possibilité, après, voilà. Comme
tu as c'est comme toute chose. Quand tu donnes de l'importance à quelqu'un, en vrai, hein, en normal, hein, d'accord, avec vivant et vivant, hein, ouais. Quand tu donnes de l'importance à quelqu'un, c'est-à-dire que l'attention que tu lui apportes, cette attention, ben, il va se livrer, tu vois. Il va doucement, il va se livrer, il va se montrer. Après, ben, étant donné qu'il a eu un bon contact avec toi, il va faire venir ses potes pour venir discuter du même sujet. C'est ça. Et bien là, c'est la même chose de l'autre côté. Comme ouais. Tu as dit gentiment, tu as dit, on est pareil de l'autre côté, même si c'est dans un autre monde, qui n'est pas forcément dans l'au-delà, hein, au-delà ouais, de quoi dans l'au-delà quand même. D'accord. Comme tu dis justement, il n'y a pas besoin de journée ou de nuit, et, etc., etc., puisqu'il n'y a pas d'espace-temps chez eux. Donc, que ce soit le jour et la nuit, ils s'en foutent. Donc, plus tu leur donnes de l'intérêt, ça veut dire, eh ben, plus ils vont venir vers toi, et même ils pourraient venir chez toi dans ta maison, et plus tu leur vas leur donner de l'intérêt, plus il n'y a pas d'espace-temps. C'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont tout le temps. Donc, il faut savoir fermer. Et puis, deuxièmement, tu leur donnes la possibilité de s'exprimer parce qu'ils ne demandent que ça. Donc, ben, si tu vas sur un lieu et que tu as déjà une première fois, ils t'ont jaugé, ils t'ont titillé pour savoir jusqu'où tu peux être capable d'y aller. Et puis, une fois, ben, hey, oh les copains, il y a quelqu'un qui nous arrive à nous capter. Alors, ben, viens, on va discuter. Puis comme ça, tu pourras dire ce que tu as envie de dire. Voilà, c'est ça. Le premier soir, ouais, il est venu, Henri était en face de moi. Ouais, j'ai pété un plomb ce soir. Et j'ai dit, il arrive. Quoi ? Il lui dit, quoi ? Quoi ? Il arrive. Quoi et en fait, il était sur moi, je le sentais. J'avais les poils hérissés jusqu'en haut. Il était sur mon épaule. Hein. elle était pas bien, mais moi, j'étais pas bien. Et après, voilà, il savait que j'étais là et qu'il pouvait me venir vers moi. Et après, c'est pour ça que je pense qu'il m'a laissé un peu, tu vois, il venait pas, mais il venait embêter les gens. Henri ou. Ah ouais, ben, comme ça, quoi. Je crois que lui, là-bas, il nous quitte pour ça. Il doit se dire, ça y est, il y a les deux oiseaux là qui arrivent et le soleil, ils sont pour moi. Ah ouais, c'est non, bien. Mais le sanat, c'est comme ça. Ce sanatorium, on l'a remarqué là avec Nico, plus on y va, plus on a de trucs. Alors au départ, là, on avait dit, ah, sanat, c'est bon, on en a marre, nos abonnés, ils sont habitués maintenant. Et c'est pareil, nous, une fois que tu as fait des lieux, c'est bon. Première, une enquête, deuxième enquête, troisième enquête. C'est la troisième là où on a la troisième où on a eu des problèmes passé, ça a été un gros problème, squatter des groupes électrogènes d'un autre monde, tu imagines le délire quoi. Et ces gens-là, tu peux pas leur dire cassez-vous. Toi, t'as pas le droit, mais eux non plus. Donc, t'es qui toi pour leur dire barrez-vous, Terry. Donc, le truc, c'est faut que Laetitia va t'apprendre aussi. Hein. C'est que il ne faut pas non plus que tu te laisses manger par eux. Pour les êtres vivants ou les autres, les personnes qui sont passées de l'autre côté. Faut pas que tu te laisses les manger. Hein. Comme vous disiez, donc. Olivier, oui, il y a une maison que j'ai chez un particulier que j'avais fait aussi. C'est vrai. Un particulier où ça, on en a parlé hier soir avec Nico. Ça, c'est un truc qu'on va peut-être mettre en place, tu vois, faire quelques enquêtes chez alors, les voilà, ça, voilà, il faut être prêt, il faut être social, il faut être prêt à jouer à la science sociale. Ouais, le problème, il est là, c'est que moi, je ne suis pas trop assistante sociale. Ça, Laetitia pourra vous le dire. On appellera Laetitia pour jouer assistante sociale. Donc voilà, il y a celui-là qui va s'occuper du matos, celui-là qui va poser des questions et après une interaction. Des questions, ce n'est pas compliqué, c'est Nico. Et vraiment particulier. Voilà. C'est différent, il faut être, comme tu dis, très social. On n'est pas là juste pour faire une enquête. On est là vraiment pour aider. Et c'est ça que la différence. Hein. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Mais en tout cas, le particulier, comme on dit, c'est vraiment particulier. Ouais, plus particulier, je pense qu'il faut plus quelqu'un de médium, tu vois, ou quelqu'un qui a un peu le don comme moi, mais qui est vraiment expérimenté là-dedans et qui puisse aider les gens, quoi. Nous, ce serait juste pour aller voir ce qui se passe. Parce que les aider vraiment...
Ouais, compliqué. Il n'y en a aucun de nous trois qui pourrait vraiment, même moi si, voilà, je me replonge dedans, mais je n'en ai pas envie. Donc, voilà, une personne qui est capable de faire le nécessaire et compagnie pour les faire partir. Ouais. Voilà. Et il faut bien prévenir les gens de dire, ouais, non, nous, on vient juste mettre du matos, interroger, et puis déceler s'il y a quelque chose. Et si c'est quelque chose, on ne pourra rien y faire. Mais bien ouais, mettre voilà. Ouais, parce que là, on rentre dans la vie des gens. Et là, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est un peu compliqué. Ça peut aller Et même en visio, ça marche très bien. Ah, visio. C'est-à-dire que on peut les faire partir par la visio. Rachou l'a fait chez moi. Alors, d'accord. C'est pas tellement la visio. Hein. Alors, c'est parce que moi, j'ai besoin d'images. Voilà, je fais les choses à distance. Voilà. Oui, comme j'ai fait quand ils sont partis dimanche au soir, un peu. Voilà. Tous les deux. Que ce soit des particuliers, je suis aussi, parce que étant donné que je ne peux plus tellement bouger à cause de mes problèmes de santé, je fais les choses à distance. Donc là, ben, on n'a jamais mis les pieds chez Yo-Yo, mais on a réussi, et en collaboration, bien sûr, avec Yo-Yo, de faire partir les choses. On l'a fait aussi avec un enquêteur chez des particuliers qui n'étaient pas là, qui sont partis en vacances exprès. On l'a fait donc avec un enquêteur. On l'a fait aussi à distance et ça a fonctionné. Et les gens sont arrivés. Ils avaient l'impression au départ qu'il restait encore quelque chose et comme c'est dans l'invisible, forcément, on croit qu'il reste. Et ils ont cherché et c'était vide. Et ça leur a fait vraiment drôle. Mais les particuliers, vraiment, c'est tu rentres dans la vie intime des gens et si la personne elle n'est pas prête à lâcher ce qu'il y a sur eux, ouais. Je dis un truc, tu manges derrière à fond la caisse. Ouais. Ça, je peux vous garantir que ça existe. Hein. Et des vivants, hein, je parle bien des vivants. Ben, le soir qu'ils étaient à la maison du diable, par exemple, que Nico, voilà, j'essaye de faire partie de l'entité en lui, mais j'ai souffert, quoi. À un moment, j'arrête parce que j'étais vraiment pas bien, j'étais épuisé complètement, quoi. Mais tu rigoles, t'as des forces qui sont tellement dures. Tu parles de la maison du diable, mais tu sais que je me pose la question s'il a toujours pas encore des séquelles de ce si, truc. Si, des fois aussi. Je me pose la question. Parce que voilà, le truc qui s'est passé avec Nico, c'est que Nico, il s'est fait carrément attraper, quoi. Nico, à un moment donné, c'était plus Nico, c'était plus sa voix, c'était plus ses yeux. Faut savoir que quand même, suivant les lieux, quand même, j'ai quand même un couteau sur moi. Nico, des yeux comme ça, presque à me sauter à la gorge, j'ai dit, écoute, Nico, c'est simple, c'est ou tu recules, ou je te prends, je t'ouvre, comme un livre. C'est pas compliqué. Moi, je vois que tu es en train de devenir agressif parce qu'à des moments, ben, tu mets ta vie en jeu quand même. Tu es sur un lieu où ton pote il se fait posséder et tu te dis, mais si le machin il a plus de force que toi, comment tu fais pour contrôler ton pote? Et Nico, on part en voiture, je lui dis, tu te rappelles, Nico? Non. Non, il ne se rappelle de rien en plus. Nico, il ne se rappelle de rien. Vous pouvez lui poser la question. Et heureusement qu'il y avait les vidéos derrière, il a vérifié les directs. À un moment donné, il regarde son regard, il me dit, non, j'étais comme ça. Je dis, ouais, gars, tu m'as fait flipper toute la soirée. J'ai dit, j'étais à deux doigts de te mettre un gros taquet dans les dents. J'ai dit, mais tu t'imagines pas. Et la deuxième enquête, c'est pour ça que je vais en revenir là-dessus, la deuxième enquête du diable, hors caméra, on s'est retrouvés, il pleuvait pas. Vu que dans le sud, on était quand même en sécheresse, excusez-moi. Donc, pas de raison de s'embourber avec une bagnole. Donc, on a planté la voiture. On n'a pas pu repartir. Un truc de fou. Il m'a fallu me démerder pour qu'on sorte la bagnole de Nico. Sinon, on ne repartait pas. Et là, je dis, Nico, tu vois, cette baraque, hein, je vais pas aller par quatre chemins. Je te le dis, Franco. Ça me on dira y va la prochaine plus. Fois. La prochaine fois, vous repartirez pas vivant de là. Je te le dis comme je le sens, comme je le pense. J'ai dit, si la prochaine fois, j'ai dit, tu peux arriver, tu peux me dire, voilà, tu es millionnaire, milliardaire, je te pose les sous, on repart pour une troisième enquête. J'ai dit, mais mon pote, même pas en rêve. Mais je crois que ça y est, il veut plus y aller. Mais je crois que ça lui a servi de leçon. C'est le truc qui lui a servi de leçon. Là, la maison du diable, on lui a parlé, il te dit, ah non, 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 non,
Et moi, j'étais... Après, il y a des choses à faire hein, pour éviter justement l'incorporation mentale. C'est pas physique, c'est juste du mental. Rachou, je n'ai pas fini sur la maison du diable. Pendant trois, Letty, elle te le dira, pendant une semaine, ils m'ont ramassé à la petite cuillère. Dépression nerveuse. Oh, j'étais à deux doigts de me jeter du deuxième étage de chez moi. Alors, pour te dire que j'avais été fait, j'ai passé une semaine. Ils vont utiliser une partie de toi, ils vont utiliser un sentiment. Ah ouais, mais la plus mauvaise. Un sentiment, une émotion, d'accord ? Chez toi, si tu as un point faible, que ce soit physique ou mental, ils vont les casser. N'importe quel qu'il soit, si tu les laisses s'introduire, ils vont utiliser quelque chose qui est déficitaire chez toi, c'est-à-dire à ton point faible, ils vont le retourner chez toi. Il a trouvé là. Elle pourrait le lui, c'est un bête à Henri, c'est l'angoisse, ça c'est sûr. Dès qu'il commence un peu à angoisser, il va sur lui direct. Et c'est la même chose pour Nico. Hein. Nico, ben, en fait, ouais, Maison du Diable, il n'y croyait pas. Donc il fait ce qu'il lui dire je te crois pas. Mais il a montré quoi. Voilà. Et c'est retourné contre lui. C'est ça. Je voudrais juste répondre à ma petite Elisabeth. Alors pourquoi les plus grandes manifestations ? Alors, vous allez y répondre d'abord parce que c'est très intéressant. Les manifestations se passent souvent la nuit. Parce que c'est pas vrai. Les plus grosses manifestations, elles se passent ni le jour ni la nuit. Je t'explique un truc, c'est que la nuit, tu es plus attentif que le jour. Parce que le jour, tu as toujours une voiture, tu as toujours un problème d'écoute. Tu es beaucoup moins concentré que la nuit. La nuit, forcément, ben, tu as tout le monde qui dort, tu as moins de circulation. Et tu es plus dans le truc, dans la bulle d'être beaucoup plus concentré. Mais une entité, si elle a envie de te parler le jour, elle te parle le jour. Hein. Oui, on est là-dessus, on est bien d'accord. Moi, ce que je répondrais à Elisabeth, c'est que la nuit, tu as tous tes sens, ils sont en éveil. Décuplé, d'accord ? La journée, même. C'est en éveil. Après, la nuit, il s'ouvre, d'accord ? Parce que ton corps, il est susceptible d'être se reposer, d'accord ? Il est. Il y a des choses à l'intérieur d'une maison. Hein. Parce que je pense que c'est vis-à-vis de ça. Même quand on a l'impression qu'on nous tire par les pieds ou qu'on voit quelqu'un, parce qu'on est plus vulnérable, donc on est plus censé utiliser nos sens. Hein. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils ont plus d'interactions la nuit. Et c'est pas forcément qu'à des heures, mais c'est des heures qui correspondent à la personne. C'est-à-dire que si à 3 heures du matin, avant qu'il vous arrive des choses dans votre maison, mais par exemple à 3 heures du matin, si vous étiez quelqu'un d'insomniaque, d'accord, à 3 heures du matin, vous vous réveillez instantanément, toujours à la même heure. Souvent, on appelle ça donc l'horloge biologique, d'accord, même si on sait que demain, on va pas travailler, on se réveille toujours à 3 heures du matin pour aller embaucher. D'accord ? Même si on n'a pas mis de réveil. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, là, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser une horaire où vous êtes le plus susceptible, où lui, il est plus susceptible d'avoir une interaction avec vous, où vous êtes le plus réceptif. Le jour, pourquoi on fait la nuit, nous, en tant qu'enquêteurs ? Parce que le jour, d'accord ? Il y a tous les bruits de la vie quotidienne, c'est-à-dire les véhicules, les machins. Ouais, on arrive à ce que je dis. Les bordels, les compagnies. Bon, les prises de son, c'est pas terrible. Donc la nuit. Mais la nuit, ça fait comme une bulle. C'est-à-dire que les bruits sont amplifiés. Voilà. C'est vraiment le son est amplifié. Et on a plus d'intention, nous. Parce qu'il y a tous nos sens qui sont en éveil aussi. Hein. Parce que on est dans le noir, donc forcément, s'il y a quelque chose qui passe derrière nous, on va le ressentir parce que on est dans un lieu dans un lieu. Après, chez les particuliers, c'est pareil. On va avoir plus d'interactions parce qu'on est plus attentif à ce moment-là, parce qu'on sait que à ce moment-là, les personnes sont plus éveillées. Voilà. C'est juste une histoire de ça. Voilà. Moi, je conclurai par dire ça dépend de la personne. Tout simplement.
Si, Oui, voilà, il y en a. Des personnes qui le ressentiront plus la journée ou plus la nuit. Ou... C'est vrai que nous, on a la facilité de bosser plus la nuit parce que les micros, ben, du coup, ils captent moins de trucs, d'impuretés sonores. Mais je suis sûr que si on bossait aussi la journée, on aurait le même truc. Hein. Après, je pense que ça dépend aussi de la personne et de chacun. Si toi, tu es ouvert, je pense que ça a plus tendance à s'ouvrir et à venir vers toi. Si tu es un peu plus fermé, je pense que tu fermes des portes. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Rachon. Moi, c'est exactement ça. Après, moi, voilà. Après, chacun peut faire une opinion et pas forcément d'accord avec ce qu'on dit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois Sonia, ce qu'elle a marqué. Moi, je sais qu'en tout cas, je suis réceptive à l'hypnose, mais vraiment. Donc, est-ce que... Moi, je m'en sers pour m'endormir avec l'ASMR. Après, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport avec le ressenti. On n'utilise pas du tout le même endroit du cerveau. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. On peut ressentir des entités autour de nous et compagnie, parce que c'est lié aussi par rapport à une région bien précise du cerveau. L'hypnose, c'est pareil, hein, c'est bien une région. Donc, on n'est plus du tout sur le même registre. Mais une personne peut être très réceptive à l'hypnose et pas ressentir les entités. Le reste. D'être pas sujettie à l'hypnose alors qu'elle ressent énormément les entités. Donc là, voilà, c'est selon comment la personne perçoit les choses. Mais ça, c'est deux choses bien différentes. Hein. C'est voilà, faut pas tout mettre sur le même truc. Pas du tout les mêmes régions du cerveau pour faire les deux choses. Et puis même, je vais te dire, Sonia, j'en connais des hypnotiseurs. Ils te diront tout le monde est réceptif à l'hypnose. Le seul truc c'est simplement si toi, tu ne veux pas être hypnotisé, tu ne le seras pas. Et tu peux tomber sur les meilleurs des meilleurs. Si ton cerveau il a décrété que non, c'est non. Tu fermes une porte et la personne, l'hypnotiseur ne peut pas rentrer dans ton cerveau et être hypnotisé. Donc voilà. Voilà, avec une pratique de la conscience modifiée, donc conscience. Donc voilà, parce qu'on a trois choses qu'on utilise dans l'intérieur de son cerveau, donc la conscience, l'inconscient et le subconscient. Voilà, il y a trois domaines différents. Et on n'utilise pas du tout les mêmes choses. Hein. Il y en a une partie, on va utiliser nos émotions, nos souvenirs, ce qu'on était, mais même aussi dans les vies antérieures, pour avoir des brides à l'intérieur. Voilà. Alors que dans les entités, c'est vraiment c'est un tout, c'est-à-dire c'est l'empathie, c'est la compassion aussi qu'on utilise énormément, d'accord, et nos capacités, hein, voilà, les capacités de chacun. Après, ça peut être juste un petit, comment dire, une boule à l'intérieur quand on sait qu'il y a quelqu'un et compagnie, on se retrouve avec des sueurs froides. D'autres, c'est le ventre, mal au ventre, envie de vomir, hein, mal de crâne, etc., etc. Nous différents. Mais c'est vraiment, deux choses bien, bien différentes. Voilà. Merci, en tout cas, Annick, de préciser. Et comme ça, on met bien les choses à plat. Eh bien, tu es très réceptive. C'est super génial, ça. Ah ben tu viendras, on laissera Laetitia, tu viendras avec nous. Non, pire des cas, on prendra les deux. Mais amuse-toi, tu vas voir, je vais m'amuser de chez moi aussi. Oui, on prendra les deux. C'est moi qui vais rire. Non, sont pas si bourris que ça. Sont pas méchantes. T'as vu comment tu es, Laetitia et moi. Les filles, est-ce que vous avez d'autres questions à poser ? Allez-y. Ah. Arrête de lever le doigt, on n'est pas à l'école. Je peux, s'il vous plaît, maîtresse ? Non, ça suffit. Moi, je voulais savoir, pour vous deux, votre famille, les entourages que vous avez, ne vous prend pas pour...
Alors moi je t'explique un truc, mon entourage n'est pas compliqué, je suis célibataire donc pas de problème. Ma seule femme, elle a quatre pattes, une queue et des poils, et elle me ronronne tous les soirs dans les oreilles. Voilà, donc j'ai pas ce souci-là de me dire. Ma Et mère, tes ça amis? lui fait... Mes amis, j'ai fait tellement du restreint là, j'ai fait un gros nettoyage là, il y a quelques temps là, j'ai pété les plombs, j'ai dit voilà. Les personnes qui sont pas carrées et droites dans leur basque, ça m'intéresse plus. Donc j'ai fait un gros, gros, gros nettoyage là autour de moi. Je redeviens loup solitaire, on va dire, entre guillemets. Mes amis, ben, tu vois, c'est Nico, Letty, une autre personne et un pote à moi qui est un ancien partenaire qui est avec moi dans la sonorisation. Après, ma mère s'inquiète un peu parce que là, il y a quelques temps en arrière, là, elle a entendu la voix de mon père, elle a fini collée dans le truc. J'ai dit, mais il te faut y parler. Elle me dit, ouais, mais tu vois, depuis que tu touches à ça de plus en plus, ben moi, j'ai des trucs bizarres à la maison, j'entends ton père. J'ai dit, mais peut-être il veut te parler. Et en plus, tu utilises ces pendules. Alors là, j'ai dit, J'ai c'est dit, royal, si, à un moment donné, j'ai dit, avec tout le respect que je te dois, ma mère, mais à un moment donné, s'il te parle, c'est que peut-être il a besoin de te parler. J'ai dit, sinon, il viendrait m'emmerder à moi. Hein. J'ai dit, s'il te parle à toi, c'est qu'il veut te parler à toi. Hein. Il pas qu'il a envie de me parler à moi. utilise ta maman pour transmettre un message aussi, hein. Ouais, mais c'est ce que je pense aussi. Mais voilà, après, on est. Voilà, mes parents étaient divorcés, mais très, très, très complices les deux. Donc voilà, moi j'ai perdu mon père pendant 12 ans, je ne l'ai pas vu, donc voilà, c'est un peu compliqué. Quand je l'ai revu, il est tombé malade, voilà, grosse galère perso. Ça m'a empêché de l'amener jusqu'à son dernier souffle, et heureusement, j'en suis fier d'ailleurs. Ça m'a permis de remettre quelque chose à plat, mais bon, voilà, comme je dis, des discussions qui seront jamais finies. Voilà, c'est après mes amis, si j'ai un problème, allô Letty, allô Nico, voilà, je me pose des questions sur le paranormal de ce qui se passe à la maison. Après je m'en fous, après les gens ils pensent ce qu'ils veulent de moi, je m'en tape quoi. Je te le dis franco, hein, Rachou, je m'en tamponne. Comme mon ex-Ziri, je m'en tape le cul par terre. Hein, et ça va pas durer comme les impôts. Après, c'était Ouais. là pour avoir des réponses, ou voilà, après, Voilà, de la ouais, des uns et des moi. autres. Après, si c'est constructif et qu'il te donne des indications pour justement aller avoir des réponses que toi, tu as envie d'avoir, Moi, voilà. C'est comme on juste dit, pour critiquer, effectivement, moi voilà, aussi, je voilà. Après, je me m'en fous. Moi, ils veulent me critiquer. toi. Ils me critiquent, hein, comme on m'a dit, parle à mon dos. Écoute, c'est une expression de chez nous, hein, parle à mon dos, mon cœur, ma tête est malade. Tu vois le délire. Hein. Ouais, Je m'en fous. Tu sais, mon c'est dos, lui ça qui devient un répondeur. parle. Par ici, c'est Merci, malade. Rachou. Ouais. Et toi, Laetitia? Moi, question amie, il y en a pas mal qui nous suivent sur la chaîne, de mes amis qui suivent, qui sont à fond comme moi. Voilà. Une amie ici aussi qui est un peu comme moi, qui ressent beaucoup de choses, donc du coup, qui fait pareil. Ma famille, ils savent plus ou moins que je ressens des choses à certaines maisons, certains endroits, mais après, j'en parle pas forcément autour de moi, ni quoi que ce soit. Enfin, j'en parle. Ils le voient bien, quoi, mais c'est pas un truc que je. Ouais, j'en parle pas à ma famille, en tout cas, de ce que je fais. Oui, tu n'as pas la Après, pression. ouais, voilà, c'est pas. Wow. Après, ma mère ou tout ça, tu vois, mes parents, ouais, ils savent que je vais avec Henri et Nico sur les trucs, quoi. Mais après, voilà. Mes amis, tu vois, les trois. Le quart de mes Ouais, amis ils sont en direct avec nous, donc le soir. On il est en investigation, donc voilà. Ok, y en a merci. surtout qui matent mes fesses quand je grimpe aux étages. Ça, c'est ta faute. Hein. C'est ta faute. C'est Tu ma démarres un faute. bon petit Non, parce que j'avais la caméra, j'étais derrière Marie en fait, et on voyait que ses fesses. Hein. J'avais mal positionné la fait un caméra, donc truc du de coup. beaucoup et c'est pareil, hein. Voilà. Mais c'était en grimpant les escaliers. Ouais, il y a un certain château où on voit la caméra, mais on voit tes fesses, Rachou, mais sauf que tes fesses avec la caméra. Moi, je m'en fous. Hein. Après, C'est un physique comme un autre. Hein. Après, on a exactement. envie de donner. Après, voilà, si on nous Non, accepte tel qu'on est, on s'accepte tel qu'on est. Après, le mais... reste, Ouais. c'est Après, pas la.
Après, tu vois, Rachou, je vais t'expliquer. Hein. D'ailleurs, on le dit bien en début sur les montages, c'est marqué, hein, c'est notre truc à nous sur les vidéos. On n'est pas des scientifiques, hein, loin de là. C'est vrai qu'on essaye de communiquer avec ce monde-là parce que tu as très peu de scientifiques, tu as très peu de personnes qui essayent de savoir pourquoi on arrive à communiquer avec... communiquer, c'est bien parce que justement on essaye de communiquer avec eux et on essaye surtout de savoir comment on peut vraiment communiquer à 100% avec eux. Voilà. Mais après, c'est eux aussi hein, dans l'équation. Hein, voilà, c'est pas que tout, eux aussi. S'ils ont plus envie, alors ouais. Je sais pas si vous avez remarqué quand vous allez sur Nous, il y a des moments où on a des creux pendant les enquêtes. Hein. Il y a des moments où tu te dis, bon, ben, ils ont plus envie, ça sert à rien. Ça se calme. Et tu reviens, tu prends une pause. Reviens. Alors, t'as l'impression que t'as tout le monde qui se barre dans tous les sens. C'est vraiment la sensation que ça fait. Hein. C'est une sensation. On sent l'énergie, elle se barre de partout et compagnie, sauf qu'il peut parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et puis, il y a entre deux. Puis, on commence à poser des questions. On pose notre matériel. On fait comme s'il n'y avait rien du tout. Mais déjà, nous, quand on arrive sur place, dès le départ, on met une caméra de suite. Ouais, mais de suite. Fois, parce que c'est dans les 5 premières minutes qu'on peut avoir des choses très intéressantes. Après, on pose le reste du matériel, tranquille. Voilà. Puis après, on commence à poser des questions. Alors là, pendant qu'on est en train de poser le matériel, on les sent, ils tournent autour de nous. Voilà, on les sent. Ouais, mais il y a des fois. On a le direct, nous, de suite, en fait. Ouais, voilà, qui pose le matériel. Pendant que je pose le matériel, on est Nico est quand même d'entrée déjà en direct, tu vois. Donc, ce qui veut dire que si j'ai de la chance, je n'ai pas le temps de prendre dessus de la caméra, d'allumer, de suivre de suite, hein, tu vois, j'ai le temps quand même, moi, de poser le matos, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. J'ai 80-85 kilos de matos, quoi. Donc, il me faut le temps, c'est à coup de câble de 20 mètres que je tire pour les micros. Le pire, vous le direz, elle devient folle avec moi. La dernière fois, j'y suis allé carrément avec un truc à roulette. Hein. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, voilà. Après, maintenant, c'est au départ. Tu investis comme ça et après, tu verras. Tu vas revenir à des choses plus. Voilà. Plus basiques. C'est ouais, selon comment toi, tu le ressens au départ. Et après, tu vas t'alléger, tu vois. La dernière fois, j'ai dit à Nico, moi, Sanat, je m'ennuie un peu. Il n'y a pas tant de trucs que ça. Tu vois, je vais revenir pas beaucoup de câbles. Et puis, en fin de compte, tu vois, plus ça va, plus je rachète des câbles pour allonger les câbles pour les micros, tu vois. J'ai dit, ouais, d'accord, je suis passé de. Ouais, mais le truc, c'est que tu n'as jamais le bâtiment en entier, quoi. Ah, c'est pas possible. Je suis parti de 20 mètres de câble à 80 mètres de câble par micro, tu vois. Donc, ce qui fait ça. T'es un grand fou, quoi. T'es un grand fou. Ouais, bah après, moi, j'ai de la chance. Il y a des trucs où j'investis pas parce que c'était mon ancien taf, tu vois. Les câbles pour les micros, j'ai de la chance, j'en ai, tu vois. Mais après, mon truc, moi, c'est, je le disais à Nico, moi, un jour, ce que je veux un peu, c'est me la faire version un peu Ghost Adventure. C'est, je file 3 tonnes de caméras là, de vidéosurveillance, je me file dans un camion, une console d'ingé son, je piste tous mes micros. Et j'ai dit, et c'est vous qui allez charger, moi je reste derrière mes caméras, mon casque, et je ne bouge pas du camion, et je me mets au chauffage. Ouais, mais souvent c'est à toi qui t'arrive des trucs, donc c'est bien que ça va. Et l'interaction que tu as sur le terrain, toi, personne. Ah ouais, je ne l'aurais pas avec des caméras, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Donc, et puis chaque fois qu'on te dise. On met les pendules à l'heure. Et puis chaque fois qu'il arrive un truc sur le terrain, c'est pour ma poire. Donc voilà, eux, ils sont contents, tu vois, les petits Nico. Les aussi. Alors, vous savez si les entités sentent nos odeurs? Bien sûr. Ça, je peux pas te dire. Par contre, moi, je sais qu'ils répondent des fois à des questions. J'ai ça en PVE. Voilà. Et d'ailleurs, en retour, souvent, on a même... Avant même qu'on en parle. Juste, il y a Nico qui va arriver, j'envoie le lien. Ah, c'est pour ça qu'il m'a renvoyé le lien. Ouais. Mais je croyais qu'il dormait, lui. Alors là, on va voir l'équipe au complet.
Bah ouais, dépêchons-nous à discuter des choses. Profitez, vous allez avoir. Est-ce que vous avez déjà eu justement des odeurs, vous? Alors, c'est... Moi, ouais, je souffre, ouais, c'est, ouais, moi, j'ai, ouais, le soufre, que moi j'ai dit, ouais, je sens le gasoil, mais eux, ils ont dit qu'ils sentaient le soufre. Hein. Et je ne vous l'ai pas dit, c'est au pensionnat, tu vois, je, comme quoi j'oublie des fois de vous dire les choses. Et heureusement que je note tout dans mon journal. Il y en a tellement. Non, mais moi, j'ai pas de cul, chaque fois, c'est pour ma poire. Donc, tu débranches quand Et la dernière fois, au pensionnat, ça sentait la pipe. Ah. Je sais pas, à l'époque, les profs, ils devaient fumer dans les classes, tu vois. Et, je pense que... Ah oui, le tabac à pipe. Ouais, le tabac à pipe, ouais. Voilà. Donc, l'entité, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle fait sentir qu'elle est là. Donc, c'est une odeur qui est propre à un souvenir. Un souvenir par rapport à vous. C'est-à-dire que c'est un souvenir, pas forcément vos souvenirs, hein, c'est un souvenir à lui. Il va faire ressentir qu'il correspond à son identité à lui. D'accord? Donc, si par exemple, la dame qui se mettait, je sais pas, de l'eau de Cologne à la violette ou ambrée pour les hommes, et etc., etc., eh ben, elle va utiliser ses, votre, un de vos facteurs. Pour vous faire sentir sa présence, parce que c'est ce, cette odeur-là correspond à ce qu'elle est, elle. Voilà. Pas, voilà. Ouais. Et même si vous ne connaissez pas la personne, automatiquement, quand par exemple c'est une odeur de parfum, vous identifiez de violette en général, bah, vous n'allez pas dire que c'est un pépé. Hein, il ne va pas se. Voilà. Ou une petite fille qui va, ou un petit garçon qui va. Donc, automatiquement, vous allez identifier par rapport à la personne. Donc, à une personne bien spécifique, donc là, une propriétaire ou une petite fille, peu importe, après, selon l'âge qu'on peut avoir par rapport à nos réponses, après, on sait à peu près à qui on a affaire. Donc, elle va donner une odeur, donc, ou un monsieur, ou une dame. Ou un enfant, peu importe. Voilà. Ouais, c'est vrai que ces odeurs de cigarettes ou de cigares, comme tu sens, c'est plus porté vers un homme et un parfum plus vers une femme, quoi. Général. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est vrai aussi. Je mets mon enregistreur et là, on se bidonne parce que il y a les gens qui croient qu'on ne les entend pas et puis qui sont enregistrés et là. Ça fait des sacrées conversations, mais bref, ça c'est rigolo. Donc, quand je vais travailler dans les églises. Hein. Il y a des métiers quand même que je ne pourrais pas faire. Hein. Tu vois, travailler dans une église, moi, je ne pourrais pas. Hein. C'est un beau métier quand même. Voilà. Mais il fait la même chose que nous, hein, Olivier. Hein. Voilà, mais d'accord. Il le fait perso pour lui. D'accord. Voilà. Si je tenais, ouais, c'est mon ancien coéquipier. Il a eu des choses chez lui aussi. Il a emmené des choses chez lui. Il a eu des odeurs lui aussi. Il a traversé pas mal d'épreuves avec les entités, mais bon, il est toujours là. Il fait son petit truc à lui. Voilà. Les filles ou Charlie, avez-vous des questions? Moi, j'ai une question. Si vous deviez à choisir entre les équipements sophistiqués, style SB7, les caméras dernier cri, et des lampes, les anciens équipements, c'est-à-dire les lampes, le pendule et tout ça, les baguettes, lequel choisiriez-vous en enquête? Je suis quand même quelqu'un de technologique déjà à la base. Après, maintenant, te dire les baguettes, je ne sais pas parce que voilà, je ne suis pas sorcier déjà à la base et je ne sais pas comment ça fonctionne parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. On est peut-être dans des trucs de paranormal, mais on ne sait pas comment tout fonctionne hein, non plus. Maintenant, tu me dirais dernière caméra, pas forcément parce qu'il y a des moments, là, dimanche soir, je ne vais pas te mentir, j'ai sorti en plan fixe ma vieille caméra Sony à vision nocturne, donc à night shot.
à bande magnétique pour te dire, pour te dire. Donc j'ai passé en plus du temps à enregistrer ce que j'avais dans la bande magnétique dans l'ordinateur pour faire le montage. Et encore, il me faut cadrer la vidéo pour te dire jusqu'au point où je suis allé. Donc il y a des fois, c'est bien joli d'avoir le dernier cri, mais des fois aussi les vieux modèles marchent encore mieux. Donc je sais pas, je peux pas te dire. Je pense que ça doit dépendre des lieux, de ce qu'eux, ils ont envie de nous faire. Ouais, et puis après, c'est le feeling avec le matos. Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Moi, il y a des fois, je préfère me servir de vieux trucs que de me dire, ouais, ben, on va sortir le dernier cri en matos, quoi. Puis en matos, t'as vu, on veut pas trop. Style l'ASB7, là, je suis passé sur un YouTuber, là, qui fait des enquêtes paranormales, tu vois. Et la SB7, le coup qu'elle prend les radios, il te dit que non, non, faut pas prendre celle-là. Faut prendre l'autre qui est complètement bridée, où tu n'as aucune onde radio. Elle suit des fréquences, mais elle est tellement bridée. Et là, il te dit, si tu arrives à avoir un phénomène là-dedans, une voix, ben là, commence à partir en courant. Et je suis plus d'accord avec lui que l'ASB7 plusieurs fois nous a dit ouais, pourquoi vous ne l'achetez pas déjà, hein, parce que ben, le matériel ça coûtait extrêmement cher, hein. Donc voilà, ça reste compliqué. Et puis chaque bâtiment, comme j'ai dit, ben, répond pas de la même façon que le sanatorium, répond pas de la même façon que le pensionnat, que la maison du diable, que je sais que la maison du diable, j'ai plus de PVE. Le pensionnat, c'est pareil. J'ai moins de. On a moins dans les caméras. Et là, je me suis aperçu que le sanatorium, quand même, j'avais plus dans les caméras. J'ai eu des orbes. Chose que je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. J'ai commencé à poser des questions à des confrères. J'ai dit, écoute, je t'envoie une vidéo. Analyse, parce que je sais pas ce que c'est. Moi, une poussière, excusez-moi, mais une poussière, elle monte pas. Si une poussière, elle tombe, elle part pas. Je dis, là, il n'y avait aucun faisceau de lumière, j'ai un faisceau qui part, ça. Je sais pas. C'est pas explicable, c'est pas la dalle infrarouge, parce que... Donc un orbe, c'est une boule d'énergie, c'est un moyen de transport pour une énergie. Voilà. Après, il y a des rods. Après, c'est comme toute chose, hein. Il y a un vocabulaire pour toute matière. Donc, voilà. Donc, le rod, c'est un fulgure en français, puisque rod, c'est en américain. Un rod, donc, c'est... Qu'est-ce que pour vous, justement, un rod, qu'est-ce que c'est? Je réponds vite à Farsonia. Comment trouvez-vous les endroits? Ça, c'est top secret, on te le dira jamais. Parce que déjà, à la base, quand on fait des vidéos, on essaye aussi, un, de partager l'histoire du lieu, mais aussi de protéger l'endroit. Le seul truc, c'est que le sanatorium, là où on va, tout le monde le connaît. Sur YouTube, il est marqué en gros. Ben celui-là, protégé, ben c'est bête à dire, il n'y a plus rien à protéger. C'est bête à dire, parce que quand tu vois l'état qu'il est, le pauvre sanatorium, ça me fait mal au cœur. D'ailleurs, vous m'entendez râler sur le live de Longue Sonia. Il est marre, chaque fois on revient, il est encore plus fracassé. Parce que c'est à la base, on essaye quand même, on ne vous dira jamais, que ce soit moi, Nico, Letty, n'importe qui. Ah, salut ma poule. On vous dira jamais. Pardon, il fallait faire des signes avant avec le doigt et tout. On ne vous dira jamais comment on trouve les dieux. Voilà. C'est top secret. Non, ouais. Nico. Bonsoir, salut, Nico. Salut, Nico. Merci de nous rejoindre. On n'entend pas, si. Ouais. On ne t'entend pas, Nico. On ne t'entend pas. Ah, si, peut-être, vous m'entendez, non? Ah, là, oui. Ça y est, il y a le J'arrive, je suis là. Ouais, je suis là. Tu vois pas nos doigts? Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est comme je bosse demain matin, je me lève à 4h du matin, donc c'est pas évident.
Donc, j'essaie. J'essaie vite fait d'écouter ce qui se passe. En fait, c'est Laetitia qui m'a dit qu'elle veut le direct. Même toi, bon, en gros, je savais que tu m'avais dit qu'elle veut le direct, mais j'essaie de contribuer, de mettre ma petite touche vite fait, rapidement. Donc, s'il y a des questions, je sais pas, j'ai pas suivi réellement les questions, mais j'arrive au dernier moment là. C'était quoi la dernière question exactement? C'est Sonia qui nous sortait comment on connaît les endroits. J'ai dit qu'on ne lui répondrait pas parce que tu sais comme moi, c'est top secret. Oui, ça c'est top secret parce que peur de délabrer en fait, les lieux, donc c'est normal, tout à fait normal. Voilà. Ça tombe bien que tu sois arrivé parce que moi j'ai une question pour vous deux. Ouais. Même Letty. Oui. Est-ce que, Letty, je connais déjà la réponse, donc, mais pour vous deux. Est-ce que vous avez déjà eu en investigation des personnes que vous connaissiez? Ouais, il n'y a pas longtemps, Nico il le sait, j'en parlerai pas. Le lieu qu'on voulait faire là, il n'y a pas longtemps, voilà, je vais le dire, on voulait faire un cimetière. Le problème, c'est que le cimetière, c'est là où il y a mon grand-père qui est enterré. Et j'ai dit à Nico, j'efface la bande, parce que je t'explique un truc. J'ai eu en partant et c'était la voix de mon grand-père et c'était son parfum. Donc oui, on arrive à sentir les parfums des gens qu'on a perdus, surtout quand ça nous touche. Donc c'est encore plus pire. Ouais, donc oui, et puis je pense que c'est une enquête qu'on ne fera pas avec Nico parce que voilà, le respect quand même des je gens. Je ne connaissais pas encore plus pire. Mais maintenant, je le connais. C'est-à-dire qu'en fait, que pour moi, enfin pour ma part, moi, je trouve que les cimetières, c'est un peu malsain. Quoi. On n'a pas voulu, j'ai pas voulu continuer. Parce que c'est le respect des gens. Donc, bon, moi, j'y étais pour Henri, parce qu'il voulait parler. Voilà, je voulais parler à mon grand-père. Ouais. Donc, du coup. Merci d'être là. Trop cool. Pardon, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de mal. Donc, voilà. Et c'est vrai que par rapport au grand-père de bon Henri, j'ai voulu, en fait, un petit tour, qu'il puisse dire bonsoir à son grand-père et tout. Après, moi, j'ai fait un tour tout seul dans le cimetière et je trouvais ça un peu malsain. Voilà. J'avais un peu de mal. Quoi. J'ai pas... Je sais pas. Ouais, c'est compliqué, voilà. Puis le respect des personnes qui sont parties, quoi. Ouais, c'est surtout aussi... Et des familles qui restent. Ouais, et des familles exactement, qui restent. Exactement. Voilà, donc c'est alors, un lieu de repos éternel, hein, donc pour le corps, tout ce qui est corporel, donc c'est un lieu culte. Pour les humains, les gens vivants plutôt, parce que les humains, voilà. Ouais. Donc, pour les lieux, donc, ce lieu-là est un endroit de recueil. Donc, vous considérez que par respect pour vos défunts, vous préférez pas y aller pour justement respecter le repos éternel, mais que ce soit religieux ou pas religieux. Après, voilà. Après tout, c'est leur dernière demeure. Donc, on n'est pas. Voilà. Après tout, on doit les laisser se reposer. Quoi. Ouais, c'est maintenant, ça, quoi, c'est voilà, des lieux comme le sanatorium, quoi, c'est qu'il y a eu des trucs, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est pas pareil. Maintenant, un cimetière, ça reste glauque. Quoi. Ouais, je ne sais pas trop ce que tu en penses, Nico. Hein. Bah, comme je t'ai expliqué, c'est glauque. Quoi. C'est clair, c'est... Ouais. Pour moi, c'est mal. C'est... Ouais, voilà. Ça correspond à la mort, mais ce n'est que l'enveloppe charnelle qui est enterrée. Hein. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ce propos-là, c'est correspond sortie, là, à un état d'esprit par rapport au respect, par rapport aux morts. Et c'est ça qui est. Et voilà, vous êtes dans ce respect-là, et c'est ça qui est bien aussi. Bah, bien ça, ouais. J'ai envie de. Bah, j'ai eu le malheur de sortir la caméra céleste, en fait, et je voulais voir s'il y avait des entités. Et il y a des entités qui sont apparues. Quoi. Donc, j'ai dit, on arrête. Voilà. Ouais, parce que là, ça n'arrêtait pas ce soir-là quand même. Ça foisonnait. Ah ouais, de c'est clair, c'est clair. C'est clair. J'ai une question pour vous trois, pour les filles. Oui. Qu'est-ce que vous attendez, du paranormal? Qu'est-ce que vous voulez, jusqu'où vous voulez arriver en fait? Ah, mais Letty, c'est une warrior, elle a peur de rien. Ouais. Si. Ça me fout, elle nous remet tout. Allez, les mecs, prenez. Alors, moi, en fait, pour moi, j'y crois à fond, donc. Moi, en fait, je les suis à eux deux parce que, voilà, j'adore être avec eux. Bon, voilà, je fais les trucs. Voilà, après, arriver jusqu'où, enfin, moi, j'ai vu tellement de choses que ça ne me perturbe pas, tu vois. Mais après, voilà, des trucs comme avoir, comme la maison du diable, une personne comme ça en face de moi, non, ça, je ne veux pas. Ouais, je ne veux plus, d'ailleurs. Et, mais après...
Voilà, je sais pas, moi c'est, ouais, je kiffe quoi, y aller. Alors, là, il y a une polémique là, qui revient en place. Ouais. Justement, pourquoi un tel titre? De quoi? C'est-à-dire, les couloirs titre du roi normal? Quel titre? La maison du diable. Elle s'appelle comme ça. C'est un riz qui l'a choisi. Alors, c'est moi qui fais les recherches, parce qu'en ce moment, c'est pour moi, c'est pour ma poire, les recherches. Salut à tous. Voilà, c'est Letty qui corrigeait mes fautes, mais c'est pour. Parce que moi, le français, ça fait 10, c'est l'orthographe. Ouais, mais t'es pas seul. Mais bon, mais on s'en fout de ça. J'arrive à me faire comprendre, de toute façon. Après, Letty, c'est la reine de la ponctuation. Moi, je suis un peu kilomètre. La maison du diable, parce que depuis des années qu'elle a été construite, cette maison, elle s'appelle comme ça. Donc, maison du diable. C'est bien de le dire aussi. Voilà. C'est son nom, ouais. C'est bien de le dire. C'est son nom. Et en patois, c'est Faltamal ou un truc comme ça. Bon, excusez-moi, mais moi et mon patois, ça fait 10. C'est Faltamal, je crois que ça veut dire fou le camp ou barre-toi ou un truc comme ça. Je ne suis pas très patois, excusez-moi, malgré que ça soit notre région. Voilà, c'est ce qui sort dans les recherches que j'ai, en sachant que la maison est très très vieille et qu'apparemment que tous les occupants qu'il y a eu, tous les propriétaires, il n'y en a aucun qui sont restés. Voilà. Ça devient, voilà, c'est toutes les recherches que j'ai pu faire. Et Nico, il sait. Non, mais je veux dire aussi que bon, le titre ne vient pas forcément de vous. Est-ce que la maison qui a toujours été appelée comme ça? Après, je vais venir. Des maisons du diable dans le sud de la France, du moins dans notre région, il y en a trois. Et elles s'appellent toutes la maison du diable. Pourquoi la maison du diable? Pourquoi on ne l'aurait pas appelée la maison du démon? Qui te dit que c'est un diable dedans et c'est pas une démon. C'est la réponse. Voilà, tu vois aussi, c'est des questions aussi que toi, quand tu fais des enquêtes et que tu fais des recherches, tu te poses. Pourquoi pas la maison de l'ange ou de l'ange? Alors, c'est pas un ange là-bas. Ah non, non, c'est moi, j'ai pas possédé, c'est bon. À la base, c'est quand même un ange déchu. Hein. Donc ça peut être un ange déchu. La maison de l'ange. Je ne pense pas que ça soit démonique. Moi, je pense que ça soit plutôt diabolique. Je pense même pas diabolique, plutôt démonique, tu vois. Parce que le diable commande les démons, ça, il faut pas l'oublier, ça existe depuis toujours. Mais pour moi, c'est pas le diable, c'est un démon. Il nous a dit son nom et tout, on a cherché. Et, ouais, mais t'as vu, c'est pas un diable, c'est un démon. Il est passé par moi, en fait. C'est-à-dire que moi, il m'a possédé, donc il s'appelle Dodo. Toi, tu rappelles la moitié des choses, Dodo. C'est pour ça que des fois, dans le direct, si vous nous entendez dire il y a Dodo, en fait, c'est lui. C'est parce que, c'est lui. Il m'a appelé Dodo. C'est vrai, c'est vrai. En plus, il est passé par moi. Il a interagi par moi, donc c'était pas évident. Et on se sent vraiment oppressé, et je ne savais plus du tout ce que je disais. J'étais vulgaire, vraiment, dans le méchanceté. Il est passé par ton énergie, il a utilisé, en fin de compte, ton corps. Hein. Ah oui, mais carrément, je l'avoue. Voilà. Et donc, tu as été incorporé malgré toi. Voilà, donc, et donc, il a juste utilisé ton enveloppe pour interagir avec les autres et l'insulter. Je pense aussi, Nico, sans mentir, dis-le réellement, tu l'as cherché aussi. Ça m'est arrivé aussi. Je joue beaucoup la provocation avec les entités. Et ça, ça va à force. Ça me porte à chaque fois la poisse. Ça me porte à poisse tout le temps. Ouais, mais c'est qu'est-ce qu'on c'est peut comme... ça quand même. Ça m'a dit. Ouais. Heureusement, ça me le fait pas. Bon, ça me le fait qu'à la maison du diable. Mais après, par contre, au sanatorium, ça me le fait pas. Absolument pas. C'est toi plus, tu vois, Henri qui morfle comment? Je suis à combien de points? Rappelle-moi mon petit truc de points là. Je crois que j'en ai quelques-uns de plus. Plus vous allez faire des lieux et chacun va avoir une interaction différente. Ouais, non, mais alors, c'est ça. Par contre, depuis qu'il s'est fait avoir, quand même, ce que Nico il vous dit pas, quand même, c'est que Nico, c'est la vérité, ça. C'est qu'il devient de plus en plus sensible. Mais parce qu'il y croit de plus en plus, tout simplement. Ouais. Maintenant, je commence à être de plus en plus sceptif. Au début, j'y croyais absolument pas. Après, c'est vrai que progressivement, je suis devenu de plus en plus réceptif. Quoi. Ça, c'est clair.
Mais, parce que tu as ouvert davantage ton esprit sur ce qui peut se passer. Oui, des choses. D'ailleurs, ouais, Letty, je te remercie. C'est plus rationnel. D'ailleurs, Letty, c'est qui vous ressent oui. C'est moi qui le parle. D'ailleurs, Letty, je te remercie sur la dernière investigation. Quand tu as dit aux petits enfants de me toucher, je me suis fait toucher. Je te dis pas le bon que j'ai fait. Surtout que j'étais seul dans une pièce avec ma caméra, et là, je ne sais pas, j'essaie de quelque chose de me toucher sur le bras, ouais, c'est sur les épaules, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et en fait, c'est là que tu as dit à le pendule, oui, je demande qui te touche. Ah oui! Ah, je ne sais pas si Henri, tu leur as parlé aussi de la toux qu'on a entendu. Ouais, si, le vacarme qu'on a entendu à la fin, aussi sur la fin, qu'on n'était pas tranquille. Ouais, mais c'est ce que je disais, c'est que le Sanat, on nous monte pour faire une expérience, et en fin de compte, ça finit en enquête qui est complètement. Ah non, mais c'est complètement hors norme. Le paranormal, c'est qu'on est là pour faire des expériences personnelles et compagnie, mais en général, voilà, ça finit toujours. Mais là, on s'est regardé ce soir-là, on a dit, mais quel truc de fou! Et encore, c'est parce que Nico, voilà, à un moment donné, on a pris la décision quand même de partir parce qu'on voilà, on ne savait pas s'il y avait vraiment quelqu'un. Et moi, je maintiens sur mon truc. Il y avait quelqu'un, Nico, même si j'ai rien dans les caméras. Non, s'il faut, c'est les enfants que tu entendais courir. Comme s'il y avait quelqu'un. Tu vois, Rachou, ce qui est bien avec Nico, c'est là où on est vachement complémentaires. C'est là où on s'éclate avec Nico. C'est que là-dessus, on peut avoir des conversations de ouf. C'est que, vois, là, je maintiens et je fais que lui dire, mais non, je suis sûr, Nico, il y avait quelqu'un là-bas. Et j'ai écouté les rushs du direct. Il y a ces putains de sons. Quoi penser? J'ai rien dans ma caméra. Qui était à rase-motte, plus 20 dB sur les micros, donc ce qui voulait dire, entre guillemets, excusez-moi ma façon de parler, j'aurais pu entendre une mouche péter, et là, j'ai pas ce son. Et lui, il a en direct. Quoi comprendre? Alors, ce qui est bizarre, c'est vrai que je reconnais que le direct, en fait, c'est un peu différent, mais comment ça se fait que, moi, j'arrive pas à expliquer, comment ça se fait que moi, sur le direct, on entend vraiment les pas, on entend, hein. Même la voilà. Toux de l'enfant, on entend tousser. Ouais. On entend trop bien. Et sur la... Ouais, t'as vu le petit comme c'est ah, ouais, ouais. Quoi. Et ouais. Par contre, Henri, tu vois, lui, son enregistrement, il a rien, il a que dalle. Et ça, c'est pas normal. C'est ça, c'est pas normal, par contre. C'est ce qui me sort pas. C'est là où tu te transformes en scientifique. Mmh. Pourquoi sur le direct, il y a des sons sur la attends. Caméra qui était, attends, Henri, et la voix qu'on a entendue, le PVE. Quand ça a fait. Laisse tomber. C'est comme il y a des voix que j'entends que lui n'entend pas et que. Et inverse, tu vois. Lui, des fois, il t'a entendu. Mais qu'est-ce qu'il suppose, toi? T'as fumé ou quoi, gars? Va fumer. Même sur des caméras, tu peux les mettre. Et tu peux mettre un Tascam ou un autre. Un Zoom. Ah, mais j'ai des. J'ai des micros d'un autre. À côté, ils vont s'amuser, tu as entendu le clac, 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 ouais. D'accord yeah. Et toujours avec le, ça enregistre toujours, et tu entends rien au niveau du son, puis sur l'enregistrement numérique, tu as le dit son. Que tu vas entendre autre chose, hein. Ouais, mais non, mais c'est, ça, c'est ce qu'on essaye de comprendre, voilà, c'est comment vraiment communiquer avec eux, et que ça soit du rationnel. Moi, je pense qu'on a eu affaire à une transformation scientifique, mais presque, parce que voilà, c'est en fin de compte, le problème du paranormal, c'est que plus tu essayes, plus tu te poses de questions. Oui. Et moi, plus tu deviens gaga, parce que plus tu te poses de questions de comment communiquer et que ça soit du t'as réel. Pas et c'est ce que disait. Donc, même si tu as des réponses, tu as certaines réponses, mais tu ne les auras pas toutes, parce que toutes. Ben ouais. Les après, je pense qu'on doit leur bouffer de l'énergie aussi. Déjà, quand tu t'es vanné et que ça t'a vanné, je pense que eux, c'est pareil. Tu n'as pas le droit d'avoir toutes les réponses. Par contre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça craint qu'on ait recours à la table de Ouija? Est-ce que ça craint? Oui. Hors de question, tu peux même pas un rêve. J'ai répondu tout à l'heure, Nico. Ouais. C'est comme toute chose. C'est comme le pendule, comme les baguettes, comme les appareils que vous utilisez, hein, que ce soit votre téléphone avec le portable, avec... Et tout, dès lors que vous faites l'intention de faire une interaction avec quelque chose, vous ouvrez une porte. D'accord. Vous ouvrez quelque chose. Donc après, il suffit simplement que c'est quelqu'un qui pratique.
D'accord. Ouais. Ouais. C'est ouvrir, mais qui s'est fermé, surtout fermé. Ouais, mais nous, ça, on ne sait pas faire. Nous, on aime bien ouvrir, mais on n'aime pas fermer les portes. Donc, il faut un médium, en général, ouais. et qui est meneur pour ouvrir, pour faire une séance de Ouija correcte pour pouvoir refermer derrière. Ouais, alors, tout le monde peut ouvrir. Tout le monde peut ouvrir. Alors, sauf que Nico, si tu fais ça, je te jure, Nico, si tu fais non, ça, mais comme tu ne m'as pas parlé couille. Non, mais comme je disais, il faut prendre quelqu'un qui est vraiment dans le truc pour faire ça, quoi. Ouais, qui va faire. Ben toi, les connais vraiment. Non. Mais si t'es parti, attends, t'es capable de partir dans une pièce toute seule avec une caméra, excuse-moi, moi je pense que t'es capable de le faire. Au moins le pendule. Non, mais je refermerai pas assez. Le pendule, j'arrive à refermer, mais le Ouija, non, déjà, non. J'arrive pas à refermer complètement. Tu vois l'équipe de fracassage avec laquelle je bosse. C'est comme que tu as reçu à l'écriture, tu as eu des mauvaises personnes, tu as complètement fermé. D'accord? Ouais. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que l'écriture automatique est une porte. D'accord? Ah oui, et si tu ne fermes pas bien, tu as aussi quelque chose qui peut venir. Ouais, donc là, moi, Rachou, j'ai peur de ça. Complètement arrêté parce que tu as eu une personne. Et la Ouija, c'est exactement la même chose. Hein. Ah, donc ouais, là, c'est simplement une planche pour s'identifier ou dire le message qu'ils ont envie. Mais l'écriture automatique ou intuitive, peu importe, parce que soit ils utilisent ton cerveau, ou soit ils utilisent ton bras. D'accord? Donc l'un dans l'autre, de toute façon, ils t'utilisent. Ouais. Ton énergie. Donc automatiquement, tu fais une ouverture. Et donc si tu ne sais pas fermer, automatiquement, tu vas. Alors, si tu es un gentil, tu es un gentil, mais si tu es un méchant, c'est pareil. Oui, oui. Mais après, j'ai plus confiance dans mon pendule pour faire ça. Henri, peut-être que vous faites une enquête avec Rachou et Charlie, et Rachou va te mettre en confiance pour la Ouija. Et elle va vraiment te mettre en confiance. Oh, question, elle n'est même pas là, mais c'est le truc qui me fait flipper. Non, mais de toute façon, on a recours aux prières et tout ça, se nettoie. Hein, Non, toi tu te nettoies, mais à quelle heure tu te nettoies? Si, je lui fais. Avec... Si. Letty, elle le fait. Oui, Letty, elle me le fait. Et j'ai toujours une petite bougie avec moi. Nico, oui, dis-moi. Que ça soit moi ou Letty, on te nettoie, c'est sûr. Mais c'est pas pareil comme si c'est toi qui te le faisais, Nico. Faut arrêter de rêver. Ouais, mais si tu regardes bien, je suis de plus en plus réceptif. Si tu regardes bien. Ouais, et moi, je suis de plus en plus fermé. J'ai toujours le mot. On a échangé nos corps. C'est pas mal. Peut-être que c'est parce que tu commences à flipper, toi. Moi, non, mais je flippe pas. Le pire de tout, c'est qu'il te dira dimanche, Nico, j'ai flippé. Pas une fois. Non, c'est plutôt l'adrénaline voilà, qui a agi. À la fin. Ah, moi, j'ai eu peur. Franchement, je l'avoue, j'ai eu peur. À la fin, vous avez eu peur. Non, moi, j'ai pas eu peur. Moi, j'ai eu peur. Seulement... Que tu maîtrises Nico, pas. Je te le dira, Nico, il me connaît, puisqu'on en a fait quand même plusieurs où on a été que deux. Là, je suis vraiment monté en adrénaline, mais pour Nico, pour la protection de Nico. Moi, je m'en fous. Moi, je prends une balle perdue, je m'en tape, tu vois. Je me dis que, ben, au pire des cas, j'irai rejoindre les miens, tu vois. Je suis à ce point-là. Mais non, on est une équipe. Si on pouvait éviter, ça serait bien. Voilà. Au lieu d'utiliser ce lien contre vous, il faut utiliser ce lien pour vous. Non, mais tu vois, je ne veux pas que non plus arrive quoi que ce soit à Nico, comme on ne veut pas non plus qu'il arrive quoi que ce soit. Mon devoir, quand même, c'est de vous protéger, tu vois. Que je le veuille, que je ne le veuille pas. Donc, je monte en adrénaline, c'est logique. Tous les trois, ils le savent, ça, Henri. Il faut pas, voilà, justement, il faut pas que tu y mettes ce doute-là. Ce doute, ce petit doute que tu émets, ils le savent très bien que tu es pas là pour qu'ils soient embêtés, qu'ils soient emmerdés ou qu'ils soient abîmés. C'est tes amis, c'est ce lien particulier. Ah, je donnerai ma vie pour eux. Ils le savent. C'est aucune inquiétude vis-à-vis de ça. Évite justement ce genre de doute, de remettre. Ils le savent après, très bien. Ils n'ont pas besoin, justement, que tu le démontres toutes les deux secondes, à savoir qu'ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur toi à 1100%. Voilà. Je ne peux pas dire mieux.
Après, je rentre comme on a parlé hors antenne, Nico, il connaît mon passé, il le connaît. Voilà, c'était pas la première. Tu es quelqu'un d'entier, Henri. Voilà, je suis entier, je le resterai. C'est comme ça, ça fait dans mes gènes. C'est quelqu'un d'entier. Ouais, après, on est une équipe. Je me dois quand même de protéger mon équipe, que je le veuille ou pas. Et là, je parle pour moi personnellement. Je mets tout le monde comme si c'était moi qui gérais l'équipe, tu vois. Malgré que c'est pas du tout ça, parce qu'on a, que ce soit moi ou Nico, on prend toujours les décisions à deux. Et quand il y a Letty avec nous, eh ben, Letty aussi a son mot, même si des fois, comme je t'ai dit, hors antenne, on est tous en couple dans cette équipe-là. On est tous mariés ensemble. T'as vu, Letty, on fait un truc à trois. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, tu vois. Ça, comme Nico, bien sûr, il y a des fois, mais tu verrais comme ça. Comme la dernière fois, ça a pété avec Letty, tu vois. voilà. David, non, moins, David. Au moins, on s'écoute. Ah, il y a David. Ouais, David, ouais. Voilà, salut, tu David. Vois, on s'explique, machin, ça passe, on se fait la gueule un peu, et puis hop, c'est reparti de plus belle, tu vois. Mais ça, c'est une belle amitié, tu vois. Dis-moi, et je me dois de protéger mon équipe, que je le veuille pas. C'est mon équipe, salut, David. Comme Nico, c'est son équipe, comme Letty, c'est son équipe aussi. Tu vois, je me dois de les protéger. Voilà, je sais pas comment te l'expliquer. Ce lien particulier que vous êtes à tous les trois fait que justement, c'est un lien fort et il faut s'en servir justement. Pour qu'il ne vous atteigne pas. C'est ça le truc. Après, c'est ça qui vous. Après, le problème, c'est que dimanche, Nico, il voulait partir. Moi, je t'ai pris même à dormir là-bas. Tout à fait, merci. Là, Nico, pour une fois, il a eu peur. Pour une fois, c'est lui, c'est pas moi. Ah bah après je le comprends, tu vois, parce qu'il y a des moments clair, je me mets à sa place, comme lui des fois quand je pars en panique. Je connais pas on a vu quelqu'un passer en courant. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, tu vois, ça reste compliqué. Il y a des moments où c'est Nico qui est rationnel. Il y a des moments où c'est moi qui le suis. Comme il y a des moments, heureusement qu'on a Letty avec nous, des fois, qui nous fait redescendre de pression, parce que franchement, heureusement qu'elle est là, des fois. Parce que quand tu me vois péter les plombs, je veux te dire, barre-toi hein, pour que je redescende de pression. Ouais, mais avoue, Harry, quand même, quand on a entendu le bruit, quand même, quand on a eu les pas, bordés dans l'escalier, on est parti comme deux balles. Enfin, chacun est parti de son côté pour voir s'il y a personne. Parce que, disons que Nico, lui, fait que te dire, quoi. Mais non, c'est paranormal. Moi, je fais que moi, dire, c'est pour moi, non, c'est paranormal. Il y avait quelqu'un. Voilà, non, pour moi, non. Attends, Harry, on était resté, rappelle-toi, on est resté dans le noir. Tu vois, on te fait la nuit comme ça avec Nico, tu vois. Attends, juste, on peut laisser un débat. Alors, en fait, voilà. Vous imaginez une enquête, hein, le bordel. On a deux avis différents. Très bien, ma poublée. On a deux avis différents, pourquoi? Parce que, premièrement, déjà. Tu m'imagines au milieu? Non, mais attends, on était plongé dans le noir, complet, dans l'obscurité la plus totale. Mais s'il y avait une lumière, le mec, on l'aurait entendu. À moi, ce que je veux dire, le gars, c'est pas possible. Mais après, par contre, moi, ce qui m'a fait peur, c'est parce que, on était dans le noir, il n'y avait pas de bruit, on ne parlait plus. Donc, on aurait entendu les pas. Et vu comme c'est délabré, attends, arrête, comme c'était délabré, on aurait entendu les pas. On aurait entendu les pas, c'est pas possible. Moi, on a eu la fréquentité. Tu as entendu de suite. Nico, dis-moi, la pointe. Tu comprends pourquoi le mec, il est présentateur, tu vois? Parce qu'il passe sa vie à tirer. Après, on dit que c'est moi. Il te laisse même pas blanc, Céline. Non, mais Nico, regarde avec la frontale quand je suis en rouge. Tu vas pas me dire que j'éclaire tout le bâtiment en rouge. Donc, si tu es dans le noir, l'obscurité totale, même en rouge... Avec une frontale en rouge, tu vois pas tant que ça, puisque le rouge te permet, et ça, je te le dis par rapport à mon passé, Nico, le rouge te permet d'avoir les yeux, les pupilles qui se dilatent plus, et ça te permet d'avoir les yeux pas comme un chat, parce qu'on les aura jamais, Hera, viens ici, je veux tes yeux,
ça te permet d'avoir les pupilles plus dilatées et moins forcées sur ta vue, parce que ça te permet quand même d'avoir la vue un peu plus dilatée. Mais, ouais, oui. Mais donc avec du rouge, tu vois un peu mieux que si tu étais dans le noir. Toi, Nico, tu étais dans le noir. Tu es d'accord? Nico, là, justement. Ça veut dire que la frontale, tu la voyais à 10 km. Attends, je réponds à la question parce qu'il y a une personne qui demande si on verra, quand est-ce que l'enquête exceptionnelle, enfin, on la verra apparaître. Mais ça, c'est une question de montage. C'est Henri qui s'en occupe et le montage, c'est très long. Voilà. Et je suis donc, déjà ça va venir bientôt. Et c'est, ça je peux dormir quelques nuits là où je suis. Je peux poser une question, moi aussi. C'est possible. Oui, oui, oui. Le clou que tu t'es enfoncé dans le pied. Oh putain, ah, ouais, ça y est. Tu me rappelles plus alors. Oui, je les ai infectés, oui. Ouais, je les ai infectés. Ouais. C'est bon? Ouais. Ça roule? Ouais, ouais. De toute façon, j'étais vacciné contre le tétanos, c'est pas longtemps. Donc, pas si longtemps. Bon, d'accord. Donc, elle était donc, bien voilà. Passée à travers la basket. Ah oui, carrément, quoi. On était dans le noir, donc je ne l'ai pas vu et j'ai senti une espèce de pointe me rentrer dans l'orteil. Oh putain. Et là, j'ai fait une espèce de bon. Enfin, bref, c'était assez douloureux, mais ça va, ça va. Plus de peur que de mal. Ok. Ouais, ouais, merci. Ouais. Tu sais merci, pourquoi on a des accidents comme ça, tu vois? Tu sais pourquoi on a des accidents comme ça, débiles, hein? Parce que tu vois, on nous a. Non, pas débiles, non, pas débiles. Si, si, mais... parce que c'est des petits accidents débiles, parce qu'on s'oblige à ne pas allumer les lumières pour pouvoir marcher normalement. Et on s'oblige à marcher presque dans le noir. Tout ça parce qu'on a eu des gros montres. Et ça, Nico, tu me le feras pas dire, parce que j'en ai marre de fermer ma bouche. Au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Tout ça parce qu'on a eu des remontrances sur YouTube, comme quoi, vous comprenez, vous êtes souvent en lumière. Ben ouais, mais fille ou gars, quand on marche, en fait, il faut bien quand même qu'on voit où on va. Ouais, mais des fois, quand tu n'as que le téléphone du direct, ouais, les gens ont l'impression que tu as beaucoup de lumière. Mais nous, en fait, il y a juste que la lumière du téléphone. Donc nous, on est pratiquement dans le noir. Mais c'est vrai que quand eux, ils regardent, moi, je l'ai vu, du coup, quand je ne suis pas avec vous, t'as l'impression que vous êtes en lumière. Et alors qu'on n'est pas du tout, on est pratiquement dans le noir, il n'y a que la lumière du téléphone, quoi. Mais c'est vrai que ça donne un autre effet sur le. C'est pas du tout. Merde. C'est vrai qu'en fait, c'est pas du tout pareil sur la. Oula, c'est pas ce bordel. Parce qu'on n'a que la lumière du téléphone. Ça, c'est les entités qui interagissent avec nous, ça, ça y est. Ouais, c'est ça. C'est dodo. C'est dodo. Ça veut dire. Letty, qu'est-ce que tu as fait encore? Non, je te jure, j'ai rien touché là. Mais après, je t'avoue que quand on est dans l'obscurité entièrement, c'est assez impressionnant, surtout dans ces endroits-là, et qu'on ne parle plus du tout pendant quelques minutes, je peux vous assurer que c'est assez flippant. Le moindre de bruit, en fait, tout est amplifié. Et donc, en fait, ils ont été traumatisés par le lieu, parce que vous sentez l'énergie qu'ils déploient pour en parler. Et alors, comme s'ils y étaient encore, vous voyez. Ah, mais, et puis, t'as envie de retourner, c'est ça le problème. Mais, t'as envie de retourner, quoi. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est pour rien, on y passerait des jours entiers, là-bas. On comprend. Moi, j'ai perdu une bague là-bas, et toutes les nuits, style, je rêve de ma bague. Donc, c'est-à-dire que toutes les nuits, il faut que j'y retourne. Ouais, mais il faut que j'y retourne, c'est ça, à chaque fois, tu vois, ça, comme si c'était obligé d'y retourner, quoi. Donc, ça fait. Voilà, mais c'est après, ça. Pourquoi pareil, moi, combien de fois regarde dimanche, Nico. Ouais, j'ai fait tout rêver. Ça fait une semaine, ça me fait rêver de cet endroit-là. Pourquoi pour aller à l'endroit où je rêvais, pour voir quoi? Parce que vous devez avoir des réponses et transmettre des réponses aussi à des personnes. Voilà. Ouais, transmettre quoi? Quand ça t'envoie dans une cour, dans un petit truc extérieur, où ça t'amène à des toilettes. Pourquoi il avait envie d'aller pisser? Excuse-moi, mais tu te poses des questions après. Mais moi, quand je suis retournée seule là-haut, il y avait Nico dans l'autre pièce un peu plus loin. C'était là où la première fois avec Henri, là, il avait communiqué un peu avec moi. Là, je suis retournée seule, tu vois, et non, mais il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a rien eu. Alors que la dernière fois, il m'avait parlé. Là, non, quoi. Bah, en fait, c'est-à-dire que moi, je pense que pour moi, il a essayé d'interagir. Enfin, dimanche dernier. Ça a essayé d'interagir, c'est-à-dire avec moi et Henri. Et ouais, il paraît que c'est un de nous qui te l'avons piqué. C'est ce que je vois en commentaire. Je pense qu'il est passé plus. En fait, ça y est. Ah ouais, le salaud, elle est à mort en plus. J'aime pas l'or. T'as pas de cul, c'est pas moi, c'est Nico alors. Non, mais après, voilà, je pense qu'il a voulu plus passer par moi, je pense, imaginer.
est passé par moi. Et donc. Ouais, non, mais il a voulu interagir parce que tu étais le moins réceptif et le plus réceptif aussi. Mais oui, non. C'est clair. Non, mais j'étais vachement réceptif. Je pense que dimanche, Nico, c'était moi le moins réceptif. Moi, je pense que dimanche, oui, carrément, je suis allé, j'étais fermé. J'étais fermé total. Moi, j'étais là, mon truc, faire mon expérience, ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, on repartira, tant pis, pas bredouille, mais voilà, il y aura quelque chose. Point barre. Nico, lui, il est ouvert à 2000%. Et Nico, lui, il est ouvert à 2000%, mais ouais, c'est pourquoi clair. Point d'interrogation. Ben... Moi, après, pour être personnellement, comme je suis aujourd'hui, je suis à 50% rationnel. Ouais. Là, je t'avoue que ce soir-là, honnêtement, je ne la ramenais pas. Ça, c'est clair. Avec ce qui s'est passé, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand j'ai entendu l'enfant pousser. Ça, c'était énorme. Non, ça, moi, le énorme. Pire, quand même, Nico, c'était au démontage quand je remballais le matos, ce petit. Ah oui, la fameuse voix. Tu vois, après, on dira que c'est moi qui les inscris dans les journées, tu vois. Ah là, c'est le symbole pour aller. Moi, c'est surtout le mot démontage qui m'a. Et c'est toujours au démontage, moi, qui m'arrive une bricole de plus en plus. Bah, c'est vrai, les derniers trucs, chaque fois que je démonte, là où ça en a, c'est dans les premières et dans les dernières. Alors, vous avez ouvert une porte, justement, pour pouvoir interagir avec eux. Puis, comme eux, l'espace n'existe pas, vous, au bout d'un moment, vous êtes fatigué quand même. Mais vous avez interagi. Mais eux, ils ont envie de continuer parce qu'ils sont toujours dans la même dynamique. Bah, surtout quand on n'était pas sur le coup de 3 heures du matin. Tu remballes le matos. Voilà. Moi, j'ai pas envie. Moi, continue à travailler avec toi. Bah, je ne sais pas s'il y a des bêtises qu'ils en pensent, même tout le monde autour de nous. Moi, je pense que ça interagit plus sur le coup de 3 heures du matin parce que c'est l'heure de la Trinité. C'est l'inverse de Jésus-Christ, 15 heures. Donc, c'est là où ça interagit le plus. Et nous, c'était 2h30 du matin. Ouais, donc ça ne pouvait pas être... Mais il y en a, c'est 11h30, 23h30. Ça intervient quand ça a envie d'intervenir. Mais non, regarde, Sanat, c'est tout le temps que ça intervient, à n'importe quelle heure. C'est ça, il n'y a pas d'heure. Il y a 2h du mat, ça intervient. C'est seulement le matin. Ouais, c'est vrai. Après la journée, oui. Là, rien que tel que, par exemple, le Covid. L'histoire du Covid, d'accord ? L'histoire du Covid. On n'avait pas le droit de sortir de chez nous. Je trouve. Ça dépend pour qui. C'est qui fait des micros, c'est dégueulasse, sérieux. À moins d'un kilomètre de chez nous, on avait le droit de sortir. Ben nous, ça tombait. On avait une bricole juste à côté de chez nous. On a interagi. On a eu plein de choses. On y est allé la nuit. On n'a eu que dalle. Mais comme quoi, je dis qu'il n'y a pas d'heure. Quoi. On était en plein jour. Donc, c'est au moment où toi, c'est pareil, il y a des jours où tu vas avoir, sur le même lieu, je te parle bien, tu vas avoir des interactions avec les choses et tu retournes le lendemain. Rien, que dalle, vide. Ça nous l'a déjà fait, ça. J'ai une question pourtant. Est-ce que. Tu vois, par exemple, il y a des maisons, il y a des endroits, il y a des moments qui se passent des choses. Est-ce que ça peut être des... comment on peut dire ça ? Qu'il reste des débris, par exemple, s'il s'est passé un accident à 11h du matin dans cette maison, est-ce que ce sera qu'à ce moment-là, à 11h, qu'il va se passer que des bruits ? Tu vois ? Comme s'il restait des traces dans la maison. Résiduel, à ce moment-là. Voilà, résiduel, c'est le mot que je cherchais. Ce n'est plus de l'interaction intelligente, ce qu'on appelle intelligence, c'est-à-dire qu'une interaction où tu as une discussion, où tu as une interaction avec l'entité. Le résiduel, c'est une chose, c'est comme une image, c'est comme un son qui tourne en boucle éternellement, qui est enregistré dans les murs. Alors, même si la maison disparaît, même si le terrain, on reconstruit une maison par-dessus, il y aura toujours à cet endroit-là le résiduel. Donc, c'est ce que je me disais, par exemple, parce qu'il aurait été arrivé d'entendre les pas, comme j'ai dit à Nico, ça peut être aussi les enfants qui, à 2-3 heures du matin, faisaient les couillons dans ce sanat et qui se mettaient à courir dans les couloirs. Tu vois, et c'est peut-être des résidus qui restent dans le bâtiment. Ouais,
Ouais, voilà, mais ça peut être à 3h du matin qui correspond à 15h de l'autre côté. Ouais. Explique-moi comment ça se fait qu'à ce moment-là, puisque tu dis que c'est résiduel, tu es d'accord avec moi? Ouais. Je suis d'accord. Tu as vu les marches quand tu es à la porte d'entrée, là, par là où on rentre? Oui. Tu te souviens du bâtiment, comment c'est foutu? Ouais, ouais. Tu sais que tu as les marches de suite à ta main droite et ouais. Tu pars tout droit en face des marches, tu as là où il y a le QG. Oui. Du moins, ce que nous, on dit oui, le QG. Oui. Eh ben, dans ces marches-là, tu es d'accord avec moi? Il y a des. Il y a du plâtre, il y a de tout. Il ouais. Y a du plâtre, il y a des clous, il y a tout ce que tu veux. Pourquoi ouais. Ça ne s'embranque que dans la ferraille. Dans le plâtre et tout. Ouais, dans ouais, les ce montagnes, serait résiduel, ouais, non, tu n'entendrais pas tout ça. De placo. Tu es d'accord ouais. Si c'était résiduel, ça n'existerait pas. Ouais, non. On n'aurait que des bruits qui que des bruits de pas, ouais, de coup. Je ne suis pas scientifique, hein, mais si c'est, pour moi, si c'était résiduel, comme vous avez l'air de tous le dire, entre guillemets, ouais. Tous, je me comprends. Ou peut-être qu'il y avait des rats aussi, hein. Ouais, non, attends, Letty, c'était des pommes humaines. On aurait pu le bouffer, on fait de la viande. Non. Attention, de ne pas tout mettre sur le résiduel. Si tu as une réponse intelligente, c'est-à-dire que est-ce que vous pouvez marcher à côté de moi et que tu n'entendais pas, ce n'est pas du résiduel. Oui, là, ouais, c'est pas du résiduel. Ouais, ouais. Quand on a demandé de passer à travers la lampe, que la lampe s'est allumée, que là, on s'est regardé avec Nico, on est resté comme deux gros bouts. Eh bien, c'est pas du résiduel. Là, c'est pas du résiduel. C'est pas du résiduel, là, tu vois. Pardon, ouais, mais je disais peut-être que à la fin tu avais du résiduel aussi, tu vois, c'est ça que ouais, je veux. Il y a tout qui peut être mélangé, donc la mémoire, ouais, c'est ça. De la pierre, ça, tout, ça. Tout ce qui est, si tu veux, de la matière, d'accord. L'eau aussi transporte une énergie. C'est une énergie. Là-bas, il y a de l'eau autour. Hein. D'accord. C'est un moment instanté, c'est-à-dire un moment instanté qui tourne en boucle. Donc ça peut être un incident ou un accident. Une personne, même une personne qui m'aime là, d'accord. Elle a fait un acte, d'accord. Un acte ouais. Qui reste dans les murs, d'accord. Que ça soit dans le sol, que ça soit dans les murs là, parce que la matière a de la mémoire. Et c'est ça qu'on appelle le résiduel. D'accord ? Mais quand tu poses une question et que tu as une réponse intelligible, c'est-à-dire à ta question juste avant, là, ce oui, n'est là, plus, c'est pas résiduel. Ce n'est plus du résiduel. Là, on est bien d'accord que c'est une entité propre. Ouais. Et qui est là, soit de passage, parce qu'il existe des passages, d'accord ? Où l'entité n'est pas toujours la même, d'accord, ou soit celle qui n'a pas compris, qui est coincée dans le lieu, d'accord, parce qu'elle ne sait pas qu'elle est morte. Ouais, donc, il y a ça aussi. Qui ne peut pas partir, qui est accrochée à la matière. Ouais. Mais je crois que le, enfin, celui qui est là-bas, le gardien, moi je l'appelle le gardien parce que. il est tellement énorme. C'est une masse, à la caméra SLS, on le voit d'ailleurs. Ouais, c'est balèze, le mec. Moi, je le ressens. Hein, je le ressens vraiment balèze, énorme. Lui, je pense qu'il est coincé là-bas parce que pour lui, il est encore en train de surveiller, tu vois. Ça devait être le gardien de je ne sais pas à quel moment ou à quelle époque de sanat, quoi. Mais je pense qu'il fait encore son travail, quoi. Il surveille, hein. Enfin, voilà, quoi. Avec moi, 50 euros. Ah, c'est bon, on te payera à bouffer, c'est déjà pas mal. Plus les conneries qu'ils disent toute la soirée, attends. Ah ouais. C'est bon. On s'est calmé là quand même, on s'est calmé un petit peu. Là on s'est quand même calmé. Ouais, c'est vrai. On s'est calmé. C'est vrai. Parce que c'est folklore avec nous en enquête des fois. Je pense qu'il y a la fatigue et tout, donc voilà quoi. Donc il y a aussi la fatigue, il y a voilà quoi. Quoi ? Je trouve pas que c'est... Celui-là, je sais pas ce qu'il a, mais il envoie... Je crois que j'ai trouvé mon équivalent. T'as du mal à comprendre. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Le résiduel, en fin de compte, tout ce qui est lié... Tout ce qui est lié au à la drame de la maison. C'est-à-dire qu'on utilise du carton. C'est du carton, c'est quoi, à la base ? C'est du bois. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que le plâtre? C'est du plâtre. C'est de l'eau. Il y a l'eau. De l'eau, voilà, oui. De l'eau avec mélangée. Ouais.
C'est comme ce que je vous ai expliqué. C'est matière vivante, quoi, en fait. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué encore comme l'autre jour. Vous utilisez un miroir. Vous savez en quoi ça fait le miroir ? Oui, il y a du sable. C'est avec du verre. Du verre. C'est du sable. C'est du sable. Du sable. C'est du verre. Oui, le sable. Voilà. Tout ça, c'est de la matière. D'accord ? On appelle ça de la matière. Voilà. Peu importe après la matière. Hein. Elle, après, elle a forcément un ADN chimique. Donc, automatiquement, dès lors qu'il y a chimie, de toute façon, on utilise une énergie. Hein, voilà. Et ça, bon, après, c'est de la physique. Après, l'eau, c'est de la matière. Le bois, c'est de la matière. Mec. La roche, c'est de la matière et ça bouge encore. Hein, et ça émet des ondes. Et on électromagnétique. D'accord ? Jusque-là, on est d'accord. Mais OK ? C'est bon ? Mmh, oui. Ouais. Quand on a une mémoire, c'est-à-dire que quand il y a un fait qui arrive dans une n'importe quel qui soit, mais qui est un fait dans l'espace-temps, c'est-à-dire que la personne, par exemple, va se suicider. Bon, peu importe. Hein. Pardon. On l'est tué, tu dis quoi? Excusez-moi. On n'est pas en enquête. Elle reçoit, elle émet. D'accord. La question de l'énergie. Et c'est cette énergie qui est emprisonnée donc dans l'espace-temps, d'accord, qui est emprisonnée en boucle. C'est ça un résiduel. Donc ça peut être un mur, ça peut être le sol, mais ça peut être aussi la personne. La personne aussi, le souvenir de sa maison qui est accroché. Voilà. Et peu importe, même si la maison ou le bâtiment par lui-même, ou même un objet, parce qu'un objet aussi peut enfermer des résiduels. Une personne qui est accrochée à un objet, c'est-à-dire par exemple un vase, voilà, vous l'achetez sur la brocante, vous la ramenez chez vous, vous ramenez une entité qui est, si elle est accrochée dessus, elle vous ramenez du résiduel. Et c'est ce résiduel-là qui va interagir avec vous et avec l'énergie qu'il y a chez vous. Alors, excusez-moi de vous couper, ou alors peut-être des personnes qui sont venues juste avant nous, qui ont utilisé une table de Ouija et qui ont fait venir une entité et qui restaient bloquées là-bas. Bingo, voilà. Merci. Pour on appelle ça de la supposition. Hein. Tu subodores. Voilà. Parce que tu ne connais pas réellement ce qui s'est passé. Tu ne sais pas réellement les réponses de ce qui s'est passé. Et donc, ensuite, tu vas faire des suppositions par rapport à quelque chose que tu ne sais pas si c'est vraiment passé. Tu vois, dans l'histoire. Mmh. Voilà. Oui. Donc, on peut supposer, en disant ça, on peut supposer qu'il y a quelqu'un qui a fait de la Ouija et que ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça, c'est par rapport à tes croyances. Voilà. C'est par rapport à mes croyances, la dernière fois, elles sont toutes parties à la poubelle. Ouais, voilà. C'est difficile à dire que ça soit du résiduel. Le dernier reportage, là, je regardais les reportages là, que David il avait partagé. Entre temps, j'ai regardé un reportage sur Jésus. Maintenant, je vais te dire un truc. Dieu. Ouais, mais Harry, voilà, mais moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'on peut mélanger le paranormal et la religion? Voilà. David, il me dit que non, ça se pas, tu, la dernière fois, c'est ce que je parlais avec David. Tu vois. Et c'est ce que David il me disait, que non, tu peux pas trop mélanger le paranormal avec la religion. Pourtant, ça en fait c'est partie. Hein. Et oui, si on va par là, les entités, c'est la religion. Tu ouvres la Bible, on te dit que tu pars dans un autre monde. Que tu vas ou en haut ou en bas. Bien sûr. Et pourquoi là, eux, ils sont encore là? Parce que les tiens d'en moi, je me suis toujours posé la question. Quoi. Est-ce qu'on peut mélanger la religion ou le paranormal? Pourquoi on arrive à... Il y a encore des entités qui sont encore là. Trouvez-moi la réponse, hein, franchement. Eh ben, justement, elle te l'a expliqué. Elle a dit c'est les résiduels, justement. Il y a des entités, donc c'est des hommes ou des femmes, peu importe. Il y a des entités qui sont parties brusquement et qui savent qu'ils sont partis. Et pour eux, ils sont encore vivants. Et quand vous arrivez dans une maison et que vous n'êtes pas invité et que vous ne vous êtes pas présenté, le mec ou la gonzesse va te faire sentir que vous n'êtes pas les bienvenus. Hein, donc, va faire en sorte d'utiliser ton énergie contre toi. Voilà. Et ça, c'est une entité, c'est quelqu'un, c'est pas du résiduel. C'est quelqu'un qui est là, qui vit dans l'autre monde, mais qui est là, d'accord. Elle est là parce que c'est sa maison. Et même quand
loues une maison et que tu arrives dans cette maison et que tout d'un coup, pendant des années, tu la laisses comme ça, mais elle n'est plus à ton goût. Elle n'est plus du tout à ton goût. Donc, tu as envie de tout changer. Tu as envie de tout changer et compagnie. Ouais, mais dis-moi, l'entité, elle ne s'est jamais manifestée. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec des trucs qui bougent dans tout seul, les sens et compagnie. Pourquoi tu as changé ? Tu as changé l'environnement. Tu as changé ton environnement, mais tu as changé aussi le regard que la personne et le souvenir qu'elle avait de la maison, puisque c'est la sienne et de cette façon-là. Moi, je voulais savoir si un orbe, c'était un esprit, parce que c'est une entité, un orbe. Alors, un orbe, c'est une boule d'énergie, d'accord ? C'est un mode de transport, c'est une énergie à l'intérieur. Tu peux avoir une âme, comme deux, comme trois ou quatre, et que ça soit un homme, une femme, enfant, chien, chat, animaux. D'accord. C'est une âme, ouais, c'est une âme, en fait. Au fait, Nico, t'as vu ce que j'ai partagé sur ma page de studio ? T'en as à 0,3 centièmes de seconde ou 0,3 secondes. T'as un truc qui passe sur le mur, sur le time code. T'as un truc qui passe à droite du mur, là où j'avais posé les deux petits micros là sur le même pied là, exceptionnellement ce soir-là, ben c'était au Sanat. Et tu verras, il y a un truc qui passe. Je suis incapable de te dire ce que c'est. Là, je regarderai ça de plus près. Et il y a en effet, tu sais, le truc que je disais au Sanat, une poussière qui monte droit, je l'ai bien sur la caméra. Donc voilà. Donc il y a plein de trucs, point d'interrogation, moi. Je ne suis pas scientifique et c'est dommage que les. J'espère que des scientifiques regarderont un peu ce qu'on fait là ce soir. Parce que ça serait bien qu'ils bougent un peu leur trou de balle et qu'ils essayent de chercher un peu là-dedans parce que j'ai l'impression que le monde du paranormal. Excuse-moi, Rachou, mais j'ai l'impression que ça ne les excite pas trop. Mais les scientifiques, ils aiment bien. Ils aiment bien avoir une réponse. Attendez. Moi, je lis beaucoup de livres sur le paranormal. Je peux vous assurer qu'il y a un scientifique il s'appelle Yves Vignon. C'est pas des conneries. T'en as pas 50. Tu vois ce que je veux te dire, Nico ? T'en auras plein qui vont faire des recherches sur des panneaux solaires. Attends, Harry, il y a même des gens qui travaillent dans la médecine, aux urgences, les médecins urgentistes, qui, même eux, ils ont vécu, c'est-à-dire des séquences paranormales. Mais eux, ils sont déjà dans la médecine, ils frôlent déjà la mort tous les jours, tu vois ce que je veux te dire. Justement, ils te disent, ils ont des ressentis, justement. Oui, mais c'est des mecs qui bossent dans le milieu hospitalier. Moi, je te parle des scientifiques, là, des genres de guignols, qui vont passer des années. Après, j'en parle pas forcément, mais un panneau solaire à deux balles, qu'est-ce qu'on en a à foutre du panneau solaire, gars ? Henri, c'est des choses qu'ils n'en parlent pas forcément, mais il y en a qui doivent s'y intéresser, mais ils ne veulent pas en parler. Tu n'as pas besoin de t'énerver, ça va bien. Mais calme-toi. Prends une clope. Prends une suppositoire, calme-toi. Voilà, c'est comme les autres. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui cherchent à essayer d'avoir des réponses. Dans le désert américain, dans la zone ils n'en parlent pas, c'est tout. Après, ils n'en parlent pas parce que non seulement ça ferait peur au peuple, parce qu'ils ne sont pas capables de donner une réponse, ils ne sont pas capables de savoir si vraiment, parce qu'ils parlent d'univers qui aurait je ne sais pas combien de galaxies et d'univers différents. Ils viennent de le sortir, le nombre. J'ai toujours dit que de toute façon, je venais pas de cette planète. Moi, sincèrement, pourquoi nous, on n'existerait pas, etc. Donc, c'est pareil. Les teams fatiguent. Ah, mais je t'ai dit, à un moment donné, c'est toi qui t'en occupes, c'est plus moi. 5 heures de tournage, chaque fois, je mets un plan. Quoi, j'ai toujours dit que je venais pas de cette planète. J'y peux rien. Tu vois pas les petites antennes. Après, tu peux pas dire. Roswell, je vais t'appeler Roswell. Tu peux pas dire que les scientifiques ils pensent pas au sujet. Ils y pensent bien sûr. Mais je après, ils peuvent pas tout dire. Non, mais écoute, ils ne peuvent pas tout dire. Ils ne peuvent pas tout dévoiler sur des choses qu'ils savent ou qu'ils savent pas. Savoir, tu vois. Oui, peut-être. Mais il y en a. Tu peux pas le dire à tout le monde parce que ça peut faire peur à des gens. Donc, ils peuvent pas s'amuser à tout dire vraiment.
Après, si tu veux, tu regardes la zone 51 ou les reportages qu'ils ont fait dessus. Ils parlent ouais, de beaucoup bon, de choses, les scientifiques. Fous, tu vois. Ça, oui, je ils parlent pas que de ça. Ouais. Hein, ils parlent pas que de ça. Hein. Il y a, oui, y a d'autres choses. Je suis d'accord. On ne nous dit pas tout. Mais on nous dit pas ouais, tout parce qu'on ouais, peut ça, faire je pas. Sais ça, aussi. C'est comme c'est à Dani la dernière fois. J'ai partagé deux reportages. Arrête de t'énerver, tu fais grésiller ton machin. Ouais, c'est toi qui te plaques dans le micro en fait. Calme-toi. Non, mais la dernière fois, j'ai partagé pareil deux reportages sur l'Égypte à David. Pareil, si tu vas par là, moi je trouve que déjà on nous ment sur pas mal de choses. Donc. Ils peuvent pas dire tout. L'Égypte est un grand sujet vaste hein, d'ailleurs. Ouais, mais ouais. Le problème c'est que quand t'écoutes tous ces scientifiques aussi, ça te fait taper la tête contre les murs quoi. Pour moi, je pars comme la dernière fois là, la dernière fois là, ils disaient qu'ils avaient appris à couler le béton. Donc pourquoi voilà, c'est des blocs carrés. Pareil, le maître ça n'existait pas. Et pourtant, il y a un bonhomme là sur l'Égypte qui a parlé un gros savant hein, qui a parlé à visage découvert parce que sinon on lui coupait les subventions. Mais où on va? Mais non, mais attends, j'ai entendu. C'est la protection, c'est la protection. La construction des pyramides se serait faite à l'envers. Ouais, je l'ai vu sur le reportage. Par en haut ouais. Et ils sont descendus par en bas. Excusez-moi. Alors là, tu vas le faire. Et non, mais là, tu vas le faire encore plus. On est mal. On est mal. Par contre, les amis. Je vais devoir. Ils ont fini en bas. Non, mais à un moment. Par contre, les amis, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous quitter là. Car moi, je vais me reposer là, demain. Je commence à 4h du matin. Donc, je vous laisse. Non, tout à l'heure, merci, tu commences à 4h du matin. Ouais, tout à l'heure. Merci, Rachou, en tout cas, pour ce direct. C'est vraiment gentil de ta part, vraiment, de nous présenter. Écoute, c'est avec grand plaisir. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à venir. C'est vraiment cool à vous. D'ailleurs, avec Henri, on a fait une vidéo récemment sur YouTube. Allez voir, on fait un résumé. On a fait un résumé, justement, sur notre dernière investigation. Donc, allez voir. Ça vaut la peine. Voilà, sur le sanatorium, on explique en tout, c'est bien explicite en tout cas sur le sujet, on explique tout ce qui s'est passé de A jusqu'à Z. Voilà. Donc, sur ce, écoutez, nous, on a un gros projet qui arrive bientôt, là. C'est tout ce que je peux vous dire. En fait, Henri, ça fait pas 9 hectares, ça fait 90 hectares. En ouais, fait, j'ai vu ça, j'ai vu. 90 hectares et 6 étages. Parce que la vieille, elle avait partagé, voilà, 6 étages, j'ai fait. Donc, je ne dis pas l'ingénieur. Donc, grosse investigation en perspective. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, les enfants. Sur ce, des bisous, bonne nuit. Des bisous à tous. Et merci d'être venu. Merci beaucoup. Oui, merci à toi, Rachou, en tout cas. Merci, c'est vraiment sympa. Avec ton Marcel. Ouais, je suis dans mon lit, là. Il est déçu d'aller sans Marcel. Ah, mais c'est clair, il va au lit, Marcel. Ouais, je vous avance à tous. Bisous, bonne soirée. Bisous, ciao. Bonne nuit, ciao. Bonne nuit. Merci beaucoup. Merci, ciao. Merci encore. Ciao. Merci, ciao. Bon, alors, quand même, on était une équipe de dingos, quand même. Waouh, le gros pavé. Merci d'être là. Mais la religion et le paranormal ne sont pas vraiment distincts. Ouais. Pas vraiment distincts dans le sens où l'instrumentaliste, l'autre, en gros, ce que l'appel paranormal est l'énergie invisible que nous incarnons. C'est trop long. On aime bien les questions un peu courtes. Ça y est, j'ai fait le cerveau qui fume. Non, c'est pas une question, c'est plus une affirmation. Ouais. Mais après, le paranormal, c'est à côté de la norme. Qu'est-ce que la norme? Voilà. Para, c'est à côté. Il n'y a pas de norme. Qu'est-ce que la norme? C'est là l'humain qui a mis une norme commune pour qu'on puisse vivre ensemble. Voilà. Donc, des normes de sociétés, différentes religions, peu importe, on croit tous à quelque chose et on a besoin, l'homme a besoin de croire en quelque chose pour continuer à construire, à s'ouvrir vers d'autres choses, pour évoluer. Voilà, il a besoin de ces choses-là et il y a des personnes qui sont là pour aider justement à avoir cette ouverture d'esprit. Alors, peu importe si on utilise la religion, ou autre chose, peu importe la façon dont on y parvient, on utilise tous quelque chose qui nous intéresse par rapport à une définition qui nous correspond.
C'est-à-dire que si on croit en la religion, on a la possibilité d'utiliser la religion. Voilà. Bon, c'est l'intention qu'on y donne. On a notre libre arbitre. Peu importe le support qu'on utilise, il nous reste cette énergie qu'on a besoin, nous, de comprendre comment elle vient et comment elle s'en va. Et c'est toujours l'histoire de la naissance, et de peu importe l'évolution de l'homme, la naissance à la mort. Comment on est, comment on meurt. Ce sera toujours la question, mais on n'aura jamais la réponse en tant que vivant. On essaiera tant qu'on peut, on va avoir des réponses, mais on en aura trois fois plus de questionnements derrière pour avoir une seule réponse. Parce qu'il y a des choses qu'on a le droit de savoir et d'autres non. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça les lois karmiques. Le karma. Bon, ça va être à mon tour de vous laisser. Normalement, à cette heure-là, on est couché depuis longtemps. Hein. Oh, ça y est, vous allez pas faire les mémés. Hein. Et moi, je suis mémé. Hein. On est les ventes, nous. Hein. Moi, il y a longtemps que je dors à cette heure-ci. De suite. Charlie va pas trop tarder aussi, parce que Charlie embauche demain matin aussi. De bonne heure. Voilà. Ouais, moi aussi. Vous savez qu'on l'a presque pas entendu de la soirée, quand même, hein, Charlie. La fin. En tout cas, merci à tous. Merci vraiment d'avoir joué, d'avoir posé des questions. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment avec grand plaisir de vous rencontrer. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. De venir sur le live pour discuter avec d'autres enquêteurs. Et c'est ça qui est intéressant. Et on est ouvert à la discussion et l'ouverture d'esprit. Et c'est important de laisser l'autre aussi s'exprimer et de donner son ressenti. Et c'est ça qui est bien. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà, dans le para, le partage. Voilà. Pareil, si Rachou, je pense qu'on va tous finir. Donc, moi, je vais en profiter aussi. S'il y en a qui ont des questions à nous poser, vous pouvez passer directement sur notre page, nous poser les questions. Il n'y a pas de souci, on y répondra. Par contre, je vous explique, on est trois à gérer la page. Donc, il y a Nico, il y a Letty, il y a moi. Donc, vous serez sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui répondra à vous. Voilà, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Forcément, on n'est pas des dieux et on est encore moins des scientifiques. Voilà. Si on peut vous répondre, on vous répondra. Si on a la réponse, si on ne l'a pas, ben on ne l'a pas. Hein, parce que même nous, quand on part en enquête, des fois, on n'a aucune réponse. Là, on l'a bien vu on a beaucoup parlé du sanatorium, ce qui nous était arrivé dimanche. Vous voyez, Nico, il est complètement à côté de ses pompes. Mais j'en profite qu'il n'est pas là, parce que je sais qu'il va me tuer demain. Oui, mais moi, je suis là. J'avais lui dire. Lui, pour lui, il y a des trucs qui sont, sont irrationnels. Et moi, pour moi, je reste encore dans le en sachant que d'habitude, c'est plutôt moi le contraire. Je suis complètement irrationnel d'habitude. Et c'est lui qui est complètement rationnel, qui arrive toujours à me. Oui, mais voilà, les rôles s'inversent et ainsi de suite pour que chacun, justement, trouve. Avoir son interaction. Et vous êtes en intelligence les uns avec les autres, et c'est ça qui est bien. C'est bien que là-dessus, on est un beau jeu. Il est précieux. Même si on s'engueule, c'est pas grave. De toute façon, c'est une famille, les couloirs du paranormal. Hein. On est trois. Après, n'importe quel groupe, tu peux t'engueuler, mais tu prends les conseils de tout le monde, et même si. Voilà, on te dit un truc, ça va pas. Enfin, voilà. Tu vois, après, ça fait du bien des fois. Oui, tout le monde. Il faut, tu te remets en question sur beaucoup de choses. Et à remettre les bonnes énergies, en tout cas. C'est ça. Des belles personnes, et je vous souhaite de tout cœur de continuer ce que vous faites et ce que votre partage et votre ce que vous êtes, votre identité propre. Et c'est ça qui est super génial. Donc, je vous souhaite le bonheur pour les belles enquêtes qui vont venir. Et merci vraiment de votre travail et votre partage. C'est vraiment important. Et j'y tiens parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Merci encore, en tout cas. Merci surtout à toi, Rachou, de nous avoir invités. Avec grand plaisir. C'est pas à toi à nous dire merci, c'est plutôt nous à te dire merci.
Voilà. Ouais, après, d'accueillir le groupe là. Voilà. Ouais, et mais nous avons accueilli n'hésitez pas groupe. À revenir même sur le live. Ah, mais on revient. Ils sont prêts avec grand plaisir. Un petit coucou vite off. Voilà, faire un gros coucou à la team. Parce que ben, on est comme vous, hein, on a des trucs quand même derrière, des projets qui sont énormes là actuellement. On va te coucher, Henri. Non, non, moi j'ai pas besoin. Moi je suis en forme. Depuis que je me suis habitué à vivre jour et nuit, je suis au taquet. Si vous voulez, on peut continuer toute la nuit. Ah ouais, mais tout le monde n'est pas. Voilà, je pense que vous tomberez avant moi. Aussi, hein. Il y a pas de problème. Nous on dort la nuit et toi tu dors la journée. Ah non, non, non mais je dors même pas la journée. Ouais, mais il va falloir que tu. Oui. Ouais. Parce mais je. Tu risques de tout mélanger et en plus de faire des choses qu'il ne faudrait pas. Voilà. Parce que... Ouais, il faut dormir. Ouais, mais bon, ça peut savoir, en ce moment, poser. Ça me tient à fond à cœur. Et là, le gros projet, mais il faut qu'il sorte de l'eau, celui-là. Ça t'attendra. Ouais, mais avant lundi, tu pourras rien faire, donc. Ah, mais je sais, mais je peux rien faire. Mais j'ai encore du boulot sur la dernière, le dernier truc. Des choses que tu oui, ça pas oui. Mais, voir ouais, des choses mais de toute façon, là, j'ai dit à Nicolas, pendant quelques temps, je vais freiner parce que j'ai besoin. A besoin de se reposer pour se régénérer. Bon, allez, va. Sur ce beau truc, je vais vous laisser. Ça marche. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup. À très vite. À bientôt. Bonne fin de soirée. Bisous. Bonne soirée. Ouais, je pense que moi aussi, je vais couper un peu là. Je vais aller un peu fermer les yeux là, parce que quand même. Voilà, va faire dodo. On va faire dodo. Maman, tu te le dis. Allez, va faire dodo. Maman. Merci d'être venu. Merci à vous et je suis content qu'on a eu c'est le jeudi des modos à 21h avec un enquêteur ou une équipe, peu importe. Voilà, et c'est avec grand plaisir de vous accueillir. Je vous fais un coucou. Nous on passera vous faire des coucou. On attend les prochains. Souvent. Ouais. Et si vous avez besoin de nous, pas de souci, on reviendra avec grand plaisir. Et il n'y a pas de soucis. Et vous êtes énorme. Restez comme vous êtes là parce que vous êtes énorme, énorme. D'une gentillesse, c'est un truc de fou. Voilà. Mais on est nous, c'est déjà pas mal. Voilà. Restez comme vous êtes, comme nous. Comme je vous l'ai dit hors antenne, nous, on restera. Nous, on a notre identité. Maintenant, on a envie de faire des directs pendant nos enquêtes. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas. Ben, écoutez. Alors, on s'en fout. Vous le sentez et voilà. Tout vous fait plaisir. Et c'est important. On ne pourra pas comme les autres parce que voilà. Pour partager une passion et pour c'est avoir ça. Des réponses et transmettre ses réponses. Après, même si ça ne correspond pas à tout le monde, ce n'est pas grave. Vous arrêterez de suivre des réponses. Et pour et comme tu dis, le problème paranormal, on n'a pas de clé. Non, il n'y a donc, pas de problème. Il n'y a toujours que des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et tu n'as pas de guide sur le paranormal. Voilà, tu peux ouvrir 20 000 bouquins parce que Nico, il est à fond là-dessus. Comme, mais justement, il y a des personnes qui ont de l'expérience, qui ont l'expérience du terrain et qui ont l'expérience de ce qui se passe. Justement. Voilà. Voilà. Donc, justement, il y a ces histoires de partager. Ouais, ben c'est ce qu'on fait déjà nous entre nous quand on part en enquête, hein, qu'on soit deux ou qu'on soit trois avec des filles. Hein. Voilà. Et le premier qui est ici comme un enfant qui vient de naître vient faire une enquête, il connaît rien, il balbutie, il fait son expérience. Après, tu peux lui donner des conseils et là, il utilise ses conseils ou pas. Voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand même avant d'avoir les couloirs du paranormal avec moi et les filles. Il avait déjà fait un truc comme ça. Donc déjà Nico, il est un peu dépucelé là-dessus. Il s'est déjà mis un peu les pieds. Moi pas du tout. Moi j'avance au jour le jour et voilà. Après comme je dis, c'est ça. Après Nico il peut avoir ses ressentis. Moi j'ai les miens. Voilà, on en partage, on en discute. Hein. On en fait partager certains. Il y a certains trucs qu'on garde pour nous. Parce que forcément, on n'a pas envie de partager de suite. Hein.
parce qu'on se pose toujours des questions. Et voilà. Et s'il y en a qu'on des questions, voilà, vous passez sur notre page, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Quoi. Ok, ça sera entendu, c'est entendu, le message est passé. Ouais. Je vous fais un gros bisou. Gros ben, bisous. Pareil, nous aussi. Hein. Toute l'équipe te fait un gros bisou et merci de nous avoir accueillis. Hein. Il n'y a pas de souci, je vous remercie. Deux heures, ça fait quand même deux heures, un peu plus de deux heures quand même qu'on est en direct. Oui, parce que ouais, c'est 2h42. Ouais. Parce que 43. Ouais. Donc voilà, on va vous laisser parce qu'il y a des personnes qui embauchent et je vous fais un gros bisou et à tous. Et puis moi, je pense que ce soir, je vais un peu stopper, je vais un peu aller fermer voilà. Les yeux parce que j'en ai besoin aussi. Donc voilà. Je pense. Merci à toutes les équipes. Je lance le générique. Je vous dis à jeudi prochain pour les nouvelles. Une nouvelle aventure. Le miroir. Le Morgane. Merci beaucoup.